Pour ceux qui ont suivi le premier live sur Animal Crossing, je tiens à vous rappeler qu'on avait plusieurs défis à réaliser au cours de notre aventure. Donc il y a, dans un premier temps, des défis classiques, c'est-à-dire que tout le monde peut les faire. On remporte un point ou plus à chaque défi, ça dépend. Si s'il n'y a rien marqué, c'est un point. Si marqué, c'est plus. Oui, le défi qui rapporte beaucoup de points, c'est avoir Rosie sur son île. Ça, c'est plus 5 points. Donc là, ça met très très bien. En vrai, si on a Rosie, c'est... Tout le monde peut les faire. Si t'as Rosie et que moi j'ai Rosie 3 jours après, j'ai 5 points aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, ok. Nous avons ensuite un concours de personnages. Donc ça, on l'a déjà fait. On peut même l'enlever, non? Ceux qui ont été faits, on peut les retirer. Oui. On peut les retirer, ouais, vas-y si tu veux. Tu peux éditer normalement. Ouais, mais non, parce que ça va afficher mon nom prénom. Je peux pas toucher. Si je touche, t'es ça met le curseur avec mon truc. Et si vous passez dessus, il y a. Ça se trouve, moi aussi, non? Je sais même pas non, ce que c'est. Non, toi, c'est écrit Mastu. Toi, il y a marqué Mastu. Alors, attends, c'est lequel qu'on a enlevé? Le deuxième. Sur son... non. Ouais, c'est ça. Hop. Parfait. Non, on peut surligner peut-être, comme ça on voit quand même les trucs qui étaient. Ok. comment on surligne? Je crois en. Ça. En haut, t'as un truc. En jaune, genre? Oh là, non. Couleur du surlignage, jaune. Merci Makima pour les deux mois. Ouais, ouais, c'est parfait comme bon, ça. Je fais en jaune ou en rouge? Bon, jaune, c'est bien. Jaune, c'est bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Parfait. Ensuite, avoir une maison avec étage. Bah là, ça va être compliqué parce que. en a live, y a personne qui a pu rembourser le premier prix. Enfin, si, on a remboursé le premier, mais le deuxième. Mais attends. Mais ça, c'est pas dans le défi de tout le monde, ça. Merci Borgélite pour, les, pour le 7 tir. Bien on peut le faire qu'une seule fois, non? Oui, oui, ça c'est en gros, c'est juste si tu le fais, t'as un point. Mais attends, mais c'est pas forcément question de rapidité. On l'aura pas, ça en fait. La maison qui est tâche? Ouais, parce que non, je crois. On l'aura pas, on l'aura attends, pas. On a la tente, après faut l'améliorer, on a la maison. Ensuite, faut améliorer. Et je crois qu'elle augmente deux fois de taille avant d'avoir la salle du fond en plus. On pourrait. Pas, eh ben, attendez, on change, on met. Qu'est-ce qu'on met? C'est. Attends. La première salle que t'as, c'est celle au fond. Mais. Bah, non, mais avec une première salle, ah c'est non, ça c'est avec... l'étage en premier. Attends, je sais plus, moi dans ma tête, c'est l'étage, ouais, non? Je sais plus si c'est l'étage ou la salle du fond. Est-ce que des gens savent dans le chat si c'est d'abord l'étage ou si c'est une pièce d'abord? Ouais. C'est quoi d'abord le chat? Ouais, elle augmente de taille, ça d'accord. Et c'est la salle du fond, ouais. Les salles du fond, ouais, ouais, pareil. Ok, donc je mets salle ouais, avec on salle. Aura, on aura jamais le temps de la faire. Ouais, mais même la salle du fond, ça va être chaud parce que ouais, faut, je crois qu'il faut augmenter trois fois. Bah en gros, faut qu'on arrive une fois par live là à l'améliorer, genre. Ouais, mais du coup, on va tous avoir la même maison au même moment à chaque fois? Bah, pas sûr. Pas forcément, parce que tu peux peut-être. Ouais. Vas-y, mets celle du fond. De toute façon, les défis, ils sont là bah pour. Sinon, on met juste celui qui a la maison la plus avancée en premier, genre. Ah, ça peut. Ah, ouais, être maison ça la plus aussi. Avancée à la fin, au pire. Oui. Genre, maison la plus avancée à la fin de l'aventure. Allez, et puis, si jamais on est tous au même stade, ben on se dit. On essaie de se rappeler à quel moment on a eu quoi, comme ça. Bah, on non, au pire. Départager. Si on est ex-aequo, bah, c'est juste qu'il n'y a rien. Un point chacun, et donc voilà, mets, au pire. Ouais. Avoir la maison la plus avancée à la fin de l'aventure. Enfin, la plus grande. Je mets la maison la plus avancée. Oui, vas-y. Oui, voilà, on se comprend. Vas-y, vas-y. Ensuite Ensuite, concours de sap. Le plus beau gagne. Au cours de notre aventure, ça, nous allons... plus vers ouais. la fin, je pense. Oui, oui, je pense, ouais. Histoire d'avoir pas mal de vêtements. Ouais. Et d'appeler Orange, parce que... non, parce que. Je suis en train d'y penser au même moment, ouais. Merci Audrix pour les 4 mois. Au pire, on montera sur nos lives. Non, parce que j'ai fait un test Théo. Et en fait, tu sais, vu que j'ai une nouvelle Switch pour l'aventure, je l'ai branché sur le même port Ethernet que l'ancienne. Ouais. Sauf que, en gros, je pense que le gars d'Orange, ce qu'il a fait, c'est qu'il a autorisé seulement l'IP de la Switch en fait. Ah, de l'ancienne Switch. Du coup, là, sur la nouvelle, j'ai testé genre Mario Kart par exemple, je peux pas jouer en ligne. Alors que je suis sur le même truc Ethernet. Donc, faut que j'appelle pour moi et Arnaud. Ok, bah vas-y, on essaie de faire ça demain. Oui, parce qu'après, ils ont dit que ça faisait en une journée, donc normalement. Ouais, normalement, si on appelle demain, après, c'est good. J'espère. Ouais, donc concours de sable, voilà, on se rejoint sur la même île. On fait la plus belle tenue, on essaie de la vendre. Ça va faire comme le concours de personnages duo, un peu. On essaie de vendre un peu notre tenue, voilà, dire pourquoi, les inspirations, tout ça. Et le chat vote. Le gagnant remporte un point. Ensuite, celui qui a la meilleure note de la JD pour sa maison. Là, c'est 3 points. En gros, toutes les semaines, tous les dimanches. La JD envoie un courrier à votre maison avec une note. Ouais. Et voilà, plus ta maison est décorée, plus bah, meilleure est ta note. Et en gros, le but c'est d'avoir 3 points. La meilleure note. Ouais, c'est 3 points par contre. Donc, faut charbonner la maison. Ouais, putain, la vache. Faut charbonner la maison. 3 points, la maison, faut se concentrer de fou dessus en vrai. Bah ouais, en fait, ouais, parce que surtout si on a un point pour la maison la plus avancée à la fin. J'avoue. En gros, il y a 4 points en jeu pour la maison quoi. Faut bouger le cul sur la maison en fait. Ouais, mais c'est bien au moins, comme ça, ça va un peu. On peut avoir des objectifs différents, tu vois. Ouais. Il y en a qui peuvent charbonner la pêche, d'autres ça. Ensuite, celui qui a mis le plus de poissons dans le musée à la fin de la semaine remporte un point.
Ouais. Pareil pour les insectes. Il y a un concours enfin, de roues, donc c'est avec l'objet, la roulette. On fait tourner, on choisit des chiffres et on gagne sur ça, c'est ça? Je crois. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Et Ok. j'étais en train de réfléchir. En fait, ce qu'on fait là sur Animal Crossing, ça me fait penser au jeu sur Wii Party, quand on doit monter de marche en marche là, et tu dois choisir 3, 5 ou 1. Des trucs différents pour avancer? Ouais. Et en fait, ouais, là, je me dis, tu vois, tu peux te dire, vas-y, je vais essayer de charbonner la note de ma maison, sauf que tu peux potentiellement perdre des points parce que. Enfin, genre, c'est assez similaire au final. Oui, bah c'est bien. Parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, où tu peux faire des paris risqués dessus et. Ouais. Mais tu peux Voilà, partir dans c'était juste un une truc idée. où personne va, tu vois, On qui rappelle rapporte pas les trop autres de points, trucs ou on mais. laisse les gens aller voir sur Discord et on trace? Bon. Bah, vas-y, j'accélère. Bon, ensuite, on aura des boosters à ouvrir avec des persos choisis comme stylés ou qui craignent. Merde, d'ailleurs, faut qu'on les Ça, il y a une achète, liste. ça. Oui. Ouais. Deux, il m'a dit qu'il y En en vrai, on avait. peut y aller. Ouais, Micromania. Ensuite, il y a le défi Ensuite, de ouais. rapidité. Défi de rapidité. Là, contrairement aux autres défis, ça, c'est des défis qui peuvent être faits qu'une seule fois. Le premier qui fait le défi, il gagne son point et on le barre. Le premier à pêcher un poisson tarlifou. Donc, ça, c'est pendant un event de pêche qu'on va faire entre nous. Le premier à attraper une tarentule en faisant un 3-6. On le fait quand, l'event de pêche, d'ailleurs? Bah, quand on On peut aura le faire dans réglé les le. prochains jours, ouais. Ok. Bah. Ouais, les prochains jours, ou sinon, ouais, c'est vrai qu'on a dit avec Arnaud, on n'est pas obligé d'être ensemble. Après, c'est mieux parce qu'on peut quand même faire Oui, fuir les c'est mieux, poissons et mais faire si des jamais dingueries. sur internet on a... Oui. Après, tu sais que j'avais pensé, mais la console, on peut la mettre en Wi-Fi juste pour l'event, hein. Bah, ça marche pas non plus, c'est le même problème. T'es sûr? Ouais. Ah putain, c'est chier. Ok. Et en partage de co? Partage de co, ça doit marcher, mais moi, ça marche pas avec mon téléphone. Mais je pense que ça doit marcher, ça. Putain. Bon, on va appeler Orange, on Oui. verra bien. Et au pire, sinon, on le fait ouais, chacun depuis chez nous. On met un chrono de 15 minutes et voilà. Oui, voilà. Après, premier à obtenir un objet en particulier, ça, on n'a pas encore défini quel objet. Le premier à tomber sur l'île aux tarentules, c'est la vraie île aux tarentules. C'est pas l'île aux tarentules qu'on fait en Ouais, coupant qu'on tous les fabrique arbres et pas, on tout. la fabrique, genre. Le premier à installer la boutique, le premier à installer la mairie, le premier à installer le musée, pardon, ça a été Oh. fait par moi. Le premier à rembourser le deuxième prêt. Donc ça, par contre, c'est chaud parce que c'est le prochain. C'est la course Là. aux 5 000 du coup et Ça c'est arrive serré. aujourd'hui, je pense. Ouais. Ça arrive aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui et c'est Ah, très si. serré. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Bah, le deuxième prêt, Le hein. rembours. Le On prêt va à rembourser 100 000, le là. deuxième prêt de la maison, je pense. Je Et le pense, deuxième hein. prêt de la maison, c'est. Il y a un point? Ouais. Donc là, celui-là, c'est celui qui a les 100 000 le plus vite aujourd'hui gagne un point. C'est En ça. gros. Le premier à faire tomber un cadeau dans le ciel. Ça a été fait par moi. Mais attends, les gars, par contre, d'ailleurs, pour ça, j'ai oublié comment ça marche. Genre, le prêt, tu parles à Tom Nook ou tu le mets dans le distributeur direct? Tu parles à Tom Nook? Ouais, tu parles à Tom Nook, je Oh! crois. Mais Attends, j'ai un aïe! doute. Attends, j'y pense! Mais le Ouais. premier à avoir 100 000 clochettes aussi, du coup, ça marche! Bah, Comment t'as et ça? 100 000 et la maison. Oui, Ouais, voilà, t'as c'est ça. 100 000 plus le deuxième prix, donc t'as 2 points! Bah après. Ah ouais, c'est 2 points, ça, Sauf putain. si, imagine, pendant les 2000 clochettes où t'es en train de farmer, moi, par exemple, je rembourse mon prêt avant toi parce que je me dis non, je veux pas aller aux 100 000. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Je vrai. peux te voler un point, quoi. C'est hyper tricky. Non, j'ai trop la flemme, On j'aime a ça. pareil, En du coup, pour plus. les 500 000. Ah, mais Ouais. c'est une dinguerie. Fêter un anniversaire sur l'île, en dehors de nous-mêmes. Donc, faut essayer de trouver un habitant qui fête son anniversaire cette semaine et le ramener sur notre île. Ça, c'est 3 points. Juste, je précise, apparemment pour rembourser le prêt, ça se fait au distributeur et non avec Tom Nook. C'est ce que les gens me disent dans mon chat, peut-être que c'est faux, mais. Ok, Ok, ah, je sais ok. pas, vu que c'est le premier, parce que c'est Tom Nook qui demandait Allez, venez, direct. on y va, les gars, s'il vous plaît! Bon, bref, et puis après, le premier qui apprend une mimique ou un surnom d'un habitant, ça, c'est quand t'es vraiment proche de ton habitant et que tu lui parles beaucoup et tout, il peut te proposer ça. Voilà pour les défis. Les malus, Il y a des bon. malus aussi qui vous font perdre des points, comme. Si tu veux faire piquer par un insecte en indéfini. Ouais. D'ailleurs, attends, on a Abeille dit ou piquer par tarentule. les abeilles, mais c'est pas pour. On peut pas faire pour tous les insectes? Bah, il y a que les Bah, tu peux te abeilles faire piquer et que les par les tarentules, abeilles, je mais on crois. l'a Tu mis peux aux te faire îles. tuer par les tarentules et les Oh, scorpions on l'a aussi, mis non? plus haut. On l'a mis, on l'a mis. On l'a mis plus haut, on l'a mis plus Et haut. scorpion, il n'y a pas, Si vu la que c'est pas la tarentule te saison. baise, renouvelable à l'infini, moins un point. Pareil pour. En gros, moins un point pour si tu pêches un pneu, si tu te fais piquer par une abeille, sachant que c'est renouvelable à l'infini. Le pneu, c'est le premier de nous tous qui pêche un pneu, moins un point. Ouais. Si tu pêches 5 bars communs, je crois que Thomas, t'es à 3, je suis à 3, Arnaud, t'es à. Zéro. Ah ouais, toi, t'es trop Arnaud, bien il est alors, putain. safe. Tarentule, moins un point, renouvelable à l'infini. Le premier à dire, il y a du bambou, 3 petits points. Là, renouvelable à l'infini, tu vas t'as moins un point. Si un des personnages veut partir alors qu'on joue qu'une semaine, moins 3 points. Si tu saoules un habitant, moins un point. Ok, voilà. Ok. Et oui, et je préviens au cas où tout le monde, essayez de pas spoil dans les chats des autres, genre en mode lui il en est à là, lui il est en train de faire ci, lui Oui, il est en train de oui. faire ça, c'est mieux si on a la surprise et qu'on Oui. fait vraiment le truc sans savoir. C'est Bien ça. vu, c'est vrai ça, Arnaud. Eh ben écoutez, c'est. Messieurs, messieurs. Est-ce qu'on peut se muter et y aller? J'ai l'impression qu'on peut se muter et y aller, hein. J'ai l'impression qu'on peut se muter et y aller? Au revoir! Ok, Ah ok, ouais, t'es ok. parti Ah ouais, vite! waouh. Ok, c'est parti, attendez.
Ok, c'est parti. Ah, il y a le stream squad. Attendez. Les gars, vous savez s'il y a le stream squad ou pas? Les viewers, ils demandent. Aucune idée. Aucune idée. La dernière fois, on a dit qu'on le mettait pas, je crois. Mais après, oui, si, parce tout que... monde, si ça arrange vraiment tout le monde, voilà. Mais après, je pense que ça va faire le même problème des gens qui balancent et tout. Genre. Voilà, c'est ça. Vas-y, bah go pas le mettre. Go pas le mettre. Go pas le mettre. Ok. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'il me fait le son du jeu là? Ah, là je préfère. Ok. Bon, jour 2 sur l'île. Il pleut, ça c'est bien pour le Célacanthe. Ça c'est très très bien. Non. T'es mauvaise langue, Pauline. J'avais le même problème avec l'autre PC aussi. Bonjour. C'est l'heure du bulletin insulaire, votre source d'information favorite. Je vais aborder un point essentiel de la vie sur l'île. Alors prenez-moi une oreille. Prêtez-moi une oreille aussi attentive qu'insulaire. Bien, pour commencer. Bonjour. Eh ben, c'est bon, il est 17h25 en ce beau mercredi 23 mars et c'est Tom Noob qui vous parle. Voici les informations du jour. Un cerveau a fait son entrée à Actuil 2, j'ai nommé Thibou. Il se passionne pour tout ce qui a trait à la biologie présente et passée et veut étudier Actuil 2. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Ok. Let's go. Donc on a Thibou. On a déjà les premiers poissons à mettre dans le musée. Merci Baïseyon pour le prime. Aujourd'hui du coup objectif, choper les 100 000 clochettes avant les gars. Là c'est l'objectif premier, c'est atteindre les 100 000 clochettes pour remporter le point des 100 000 plus le deuxième prêt. Je vais pouvoir pêcher aussi le Célacanthe vu qu'il pleut, ça c'est très bien. Et puis voilà. Je suis content, je suis trop content de rejouer. Oh ouais, j'étais dispo hier avant-hier, j'avais trop envie. Ça tenait qu'à moi, on aurait fait 7 lives Animal Crossing cette semaine. Ah oui, c'est vrai, la tenue pour... J'ai la tenue pour faire de la plongée, ça c'est bien pour les thunes. Vas-y, on va parler au petit père quand même. On va se lier d'amitié avec eux aussi. Yo, t'es en train de t'entraîner, toutouf. Oublie pas de souffler un coup après les exercices. Ça évite la surchauffe et ça aide à développer les muscles. Ah, Lotus a dit que l'île aux tarentules n'existait peut-être plus. Bon. Ben, il y aura pas de points sur ça. Hein. De toute façon, déjà pour tomber dessus, fallait avoir de la chance parce qu'on n'a pas des tickets illimités. Je pense que... On va faire 10 îles à tout casser chacun, je pense, donc ça aurait été vraiment un gros coup de chance. Mais ok. Ok, il a parlé de Thibou, mon ref. On va leur parler une fois. En faisant un entraînement de cross tout à l'heure, j'ai cru apercevoir un nouveau visage sur l'île. Mais une fois l'entraînement fini, la personne en question avait disparu. Ah, il y a quelqu'un sur l'île? J'ai récupéré les branches. Putain, c'est vrai que l'inventaire c'est problématique là, j'ai vraiment un petit inventaire. Faut que j'aille plonger, ouais. Et les barres, faut que je fasse attention, j'en ai 4, 3. Mais c'est pour ça, je pense, le plan d'aller choper les créatures sous l'eau, ça va me mettre bien. Vas-y, on va parler à 4 aussi. Tu vois comme ça, Miaou? J'étais une vraie tornade quand j'ai débarqué ici, je faisais voler les valoches, tourbillonner les cartons. Mais j'y peux rien, Miaouille. Rien qu'à l'idée de commencer une nouvelle vie ici, je suis au taquet. Vas-y, on parle vite fait à 4. Quand je vois ta trombine, c'est qu'on va se marrer sous peu. D'ailleurs, j'espère qu'on va souvent squatter ensemble. Je sens que je vais bien kiffer tes délires, Miaouille. Elle a l'air trop gentille, Kat, en vrai. Hein. Moi, c'est pas un personnage que je déteste. Hein. C'est Théo qui avait une dent contre elle. Kat, c'est la sœurette, hein. Putain. Bon, y'a Thibou. Il y a le truc pour faire un arbre doré. Je vais déjà faire... Oh là là, j'ai plein de trucs à faire. Je pense que... Alors attendez, est-ce que j'ai le... Je vais vendre déjà des trucs à Mélimilo. Je vais faire de la place. Je vais... Putain,
Attendez. Faut que je vende mes objets. Ensuite, je vais faire les pierres pour essayer de trouver la pierre avec les clochettes, parce que ça donne beaucoup quand même. Et ensuite, je vais partir à la nage, au ponton. Là, comme ça, je vais pouvoir pêcher Célacanthe et les gros poissons. Parce que je crois que sur le ponton, après, c'est risqué, parce que je peux me choper un bar. Dès que j'ai un quatrième bar, je stoppe ça. Et je fais de la plongée. Bah, j'ai juste ça à vendre, en fait. Hein. Ok. Ah, je peux rien déposer dedans. Tom Nook, pour l'instant, il va rien m'apporter. Je suis à 30 000. Ouais, je peux accéder à tout, Malugo, en vrai. Donc ça, c'est bien. L'arbre à clochette, il aura pas de temps de pousser, et puis c'est pour 3000 clochettes, je crois. C'est trop... Ah, mais non, ça dépend le sac que tu mets, que t'enterres. Mais là, je peux pas me permettre d'enterrer 10 000, genre. Parce que le temps d'attendre, bah, les gars, eux, ils seront en avance sur moi. Là, le prix, il est à 100 000. Si je mets ça comme ça... J'ai plus de hache ? Il y a Dodo Airline aussi. Je sais pas si je peux y aller. Ok. J'ai de quoi faire du coup les cannes à pêche. On est bien. Attendez, dites-moi pour les objets si c'est bien placé. J'ai pas envie de choke comme toi. Pour moi, c'est bien là, non? Là, ça m'a l'air ok. Comme ça, c'est bien? Là, c'est bon comme ça? Oh mais le truc c'est que je vais reculer là-bas. Ah non, c'est parfait. Bon, je peux peut-être avoir une pépite. Oh, le flop. Ouais, je vais vider mon inventaire pour la place pour la pêche. Ça qui me fait peur, c'est qu'il faut aller un peu vite. Oh, faut que je donne ça à Thibaut aussi. Ça, c'est bien en vrai. Ça va me faire gagner du temps qu'il y ait l'arbre. Ah! Oh là, c'est parfait. Oh oui! Non! Non! J'ai encore loupé! J'ai loupé 8000! Non, ça fait 16000 en deux jours! Le gros bestiaux là-bas. Non, c'est un bar. C'est horrible, putain, d'avoir ce truc là, parce que du coup, je sais pas. Ah non, c'est un bar, je pense. Oh, je m'en fous de lui. Il va rien m'apporter, le ref. Je vais poser les objets chez moi. Ouais, je sais, je peux avoir le Célacanthe.
Ah, j'ai pas encore l'établi par contre. Je vais même prendre la tête à lâcher ça ici en fait. Je lâche ça dehors. Lâcher ça dehors, pardon. Je lâche ça dehors, après on part en plongée sous-marine. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire des clochettes tout en esquivant les barres. Après, il y a objectif aussi avoir pas mal de miles nook pour faire beaucoup d'îles et avoir les bons habitants. Je vais garder l'établi, je vais garder la hache. Bon, non, quoique, j'ai pas besoin. Juste garder la canne à pêche en soi. Lance-pierre, je peux le garder. Ça, je vais garder aussi pour recraft des cannes à pêche. Ok. Eh ben, let's go. Je pense que ça, les gars, ils ont pas fait. Là, on se met très bien. Le ponton, il est de l'autre côté. Oh, trop stylé, le truc avec les pierres, là. Le pattern avec les deux pierres, là, ça rend vraiment bien. Ça, j'avais pas ça sur mon île. Avec le petit coin, là, c'est beau, en vrai. Bon, du coup, c'est stylé, on débloque une grosse partie de notre île, là. Ah, putain, là, c'est un missile, hein. Le poisson est gros, là. Hein. Ah, putain, pourquoi on est pas en été avec les requins? Je le tente, non, j'ai l'impression qu'il est vraiment gros. J'ai l'impression qu'il est vraiment gros. Si c'est un bar, par contre, c'est la merde. Oh, j'ai loupé. J'ai loupé. Putain, mais dès que je flippe... En fait, je flippe, je me mets la pression, du coup, je loupe. 50 euros que c'est un bar. Bon, bah, au moins, ça arrange le truc. J'ai trop peur, c'est vraiment le pire défi. Hein. Les gars. Ah. Bah oui, improbable. Ouais. Le défi là avec les barres, vraiment c'est le pire défi du monde. Hein. T'en es à combien? Ben je suis à 3, mais c'est horrible. Je te jure que j'ai vu deux gros poissons, j'ai hésité pendant 5 minutes. Ouais, est-ce que je le pêche ou pas? Le stress du coup? Bah oui, je suis à 3, toi encore t'es tranquille à 1. Mais je te jure qu'à 3 c'est horrible, j'ose pêcher aucun poisson, du coup ça me ralentit. Tu es à 1 ou à 0? 0, j'ai dit 1. Ouais, t'as dit 1. Non, un, t'as 0, t'as 0. Ouais, y'a moins que t'as dit 0. Oui, non, t'as 0. J'ai envie de faire une contestation. Oui. Pour le musée. Je pense qu'on a donné le point trop vite à Thomas. Pourquoi? Bah parce que en fait pour avoir le musée après faut donner les 15 espèces, donc on aurait pu speedrun des espèces et tout, et c'est le premier qui a les 15 espèces qui a le point, c'est le plus légit genre. Ce qui est fait Arnaud. Bah comme vous voulez, mais je trouve en vrai que c'est pas logique, on a été con là-dessus. Je ne sais que dire, je ne sais que faire, je ne sais que penser, je sais pas. C'est vrai qu'on aurait pu, mais je me dis on lui a donné le point. En vrai, le but c'est d'avoir le musée et on a fait le premier cas, ça s'est transformé en tente, on sait pas pourquoi. En vrai, quand Thomas il présentait ses personnages, j'ai vu le nombre de poissons qu'il avait de côté. Je pense qu'il est, il oui, c'est okay pour lui. Là j'ai les 15 espèces. Bah justement, ça aurait été la course, tu vois, moi j'ai tout mis de côté depuis le début aussi et... Ouais, pareil. c'est dommage en vrai, je trouve. Ah mais c'est... Ouais. Battez-vous jusqu'à la mort, je suis... les deux situations me vont, c'est à vous de voir. Parce que dans celui-là, je suis pour qu'on, dans ce cas, s'il veut garder son point, qu'on rajoute un truc, le premier qu'a le musée. Pour de vrai, genre. Oui, mais tu dis ça parce que là, t'as les 15 espèces, non? Enfin, en gros, j'ai gardé toutes mes espèces absolument pour rien, vu que le point est non, perdu... Non, mais non. Tu gardes les espèces pour le point, celui qui a le plus de poissons et celui qui a le plus de oui, d'insectes. Et ou alors, tu peux revendre tous tes poissons et ça te fait de la thune et t'arrives plus vite au... Ouais, ça, je trouve que ça reste pas logique. Bon, après, de toute façon, c'est fait, mais ouais, je trouve c'est que ça reste ça. Pas logique ouais. En vrai. Ah, ça fait. Parce que le but, c'est d'avoir le musée en premier, et du coup, bah, on a donné le point pour une attente qui a pas de rapport. Vu que le musée, tu le débloques pas automatiquement, vu qu'il faut toutes les espèces avant et tout. Ouais. Je trouve. Après, si personne partage mon avis, je ne peux rien faire. Mais bah, moi, je partage. D'accord. Bah, le truc, le truc des espèces. C'est mon chat, j'en sais rien. Le truc des espèces, c'est que vu qu'on n'était pas au courant, là, maintenant, c'est trop tard. On aurait dû le dire avant live, tu vois, parce que. Là, moi typiquement j'ai pas farmé du tout donc je suis en gros c'est comme si vous ouais c'est ça en plus Théo du coup ouais, vu qu'il y avait pas le truc de base il a pas farmé pour ça genre, donc ouais, on aurait dû le dire avant mon ça ok moi j'aurais retiré quand même
Je vous laisse vous battre. Je me bats pas, ça dépend de ce que dit votre chat. Moi, tout mon chat trouve aussi que c'est pas légit du coup. Oui, ouais, mais il fallait dire trop, avant, j'attends. Là c'est trop tard. On a donné le point et tout, c'est fait. Ok, bon, garde ton point. Ok. Bon, en vrai. Oui, là il veut le truc du point, mais il aurait dû le dire au moment où on a donné le point. Genre là c'est trop tard, on a donné le point, il était d'accord. Il aurait dû dire au moment où on a donné le point. Et en plus de ça, je pense que là je suis le seul à faire de la pêche sous-marine. Les 15 espèces, je pense que je vais être le premier à les avoir. En fait, le truc c'est que ouais, vu que bah c'était pas la règle au début, Théo lui, là, bah, comme il a dit, il a pas farmé les espèces en avance. Donc il est désavantagé. Donc c'est pas ouf. Voilà, il a dit ça après avoir donné ses poissons, je sais pas s'il a tout donné ou pas encore. Mais du coup, non, c'est pas legit. Après, en fait, le problème, c'est que j'aurais pu dire oui pour le truc des 15 espèces, mais je veux savoir à combien il est, Arnaud. Par contre, c'est moi ou il y a que de la merde, genre, j'ai des concombres des mers ou d'autres trucs, là. Des algues. Et c'est pour ça, là, j'ai pas voulu lui dire que je faisais de la pêche sous-marine, du coup, je suis sûr d'être à 15 avant lui. Parce que, du coup, ça va peut-être lui donner des idées. J'avoue, une perle ou les trucs qui vont vite, là. Ah, mais je crois, aux bulles, on pouvait savoir, non, c'était quelque chose de bien. Genre, ça, c'est pas ouf. Faut que les bulles aillent vite, je crois. Non, 15 espèces, c'est de tout. Why? Non, je le jure que là, c'est pas un bar. Oh, si, il est petit, en fait. Ouais, si, il est petit. Ah, bah, j'ai pas de pelle pour ça. C'est stylé, par contre, de pouvoir me balader un petit peu partout sur mon île. Là, il y a beaucoup de bulles. Après, ça peut être un wakame. Oh, flemme, il se déplace pas. Si, pêche sous-marine, c'est au musée, non? Ah non, c'est pas au musée, la pêche sous-marine? Il me semble que si, non? J'ai peut-être une bêtise. Ah si, c'est au musée. Vous m'avez mis le doute. Si, ok. J'ai eu mon premier bar commun. Wouh, GG Arnaud! Voilà, bonne journée à tous. Vas-y, à toi aussi. GG! C'est bien en plus pour le musée, comme ça te fait une espèce en plus. Ouais, c'est vrai. Alors, emballez les garçons. Bon, premier bar pour Arnaud. Ah, le ponton! Ok, donc moi il est parti gauche, j'aurais pu le voir en regardant, en ouvrant la carte. Hein. What? C'est quoi ça le rocher là? Ok. Bah pour l'instant elle est pas fructueuse ma pêche sous-marine. Hein. Je pense que je vais retourner vite fait au musée. Je vais donner les nouvelles espèces, vendre les autres, voir combien ça me rapporte. Parce que là j'ai envie de chialer hein. Ah! Oh non non non, c'est pas le moment l'autre là! Pascal! Ça coûte combien le pétoncle? Eh man, ton pétoncle, je peux l'avoir? En vrai de vrai, je veux pas son histoire. Non, je peux pas, faut que je le revende. 1000! Est-ce qu'il nous fait réfléchir ou pas? Non, non, je peux pas. C'est pour le musée, il y a le défi. Désolé Pascal, franchement, je suis désolé. Ah, je suis obligé de refuser. Il y a de l'argent en jeu, il y a une espèce en plus au musée. Non. Je suis fait piquer par des abeilles. Changement d'ambiance. J'entends depuis tout à l'heure, il est pas au top, Mister Arnaud. Arnaud, ça va le faire, Arnaud. T'inquiète. Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Je me remute. Tu passes à combien de points là? Attends. -1? Oui. Oh non.
On est ex-aequo, Arnaud, c'est encore ok, hein. Oh, j'ai 2 points d'avance sur eux. Dont 1 point en trichant. Attends, pourquoi il a 2 points d'avance? Bah, vous êtes à moins 1, je suis à 1. T'es à 1, toi? Oui. T'as eu 2 points la dernière fois? Ouais. En faisant 3, du coup. J'ai eu le ballon en premier, j'ai eu le musée. Ah oui, c'est vrai, le bâtard. Non, t'as pas le musée. Et... Ah, c'est pas de bol, Arnaud, dommage. Ouais, ouais. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà bien. Ok. D'accord. D'accord. Non, je jure que là... Là, il est plus gros que celui tout à l'heure. Non, je pêche. Non, franchement, je le pêche. Lui, il est gros. Là, franchement, il est trop gros. Où c'est la perspective? Il m'a l'air gros, non? Il est tout petit? Je peux pas tenter, non, je suis à 3. Je peux pas. Ça m'énerve, ça me bloque pour plein de trucs. Sélacanthe, ça serait 15 000. Après, je pense que si j'ai un Sélacanthe, le premier, je le mets au musée. Wesh! Il est plus gros que l'autre encore, non? Mais attends, mais c'est pas possible! En fait, j'aimerais bien voir un esturgeon, voir la taille. Lui, il est gros, celui-là, pêche-le. Prends, il est petit. Là, oui. Je suis à 4 barres. Allez, let's go! Allez, encore! Un tout petit! On est non! Un tout petit! Allez, non! Mais c'est horrible! Un tout petit, tu libères tout le monde, Thomas! Let's go! En vrai. Non, je peux pas vous libérer, les gars. Si, libère-nous! Non, je peux vraiment pas, les gars. Thomas! Libéré! Oh non, je le fais plus. What the fuck? Waouh! Putain! Oh non, il a disparu l'escargot! Attendez, faut que je crafte un filet! Putain, je suis à 5. Je suis à 4. Bon, faut vraiment que ce soit flagrant. Là, c'était pas assez, apparemment. Quel filet il m'aurait mis bien là, l'escargot, je pense que les gars l'auront pas. Oui, il faut qu'il pleuve quoi. Là, en nouvelle espèce. Je vais tout lui donner déjà à Thibou. Comme ça, c'est fait. 2, 4, 6, 8, 10. En vrai, les 15, je les aurais eu avant lui. Fais confiance quand Niarumi, c'est mon conseil. Ouais, la prochaine fois, j'attends que le message de Niarumi. Je m'appelle Thibou, vois-tu, je nourris une insatiable curiosité pour tout l'écosystème de cette île. Ainsi, j'aimerais mener les menus de menu recherche si une telle perspective ne t'inconvient pas. Ok, en personne. Vas-y, on accélère. Parce que Thibou, bon, on sait qu'il a tendance à beaucoup parler. J'ai l'impression que Maxou l'a hacké, elle aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle? Oh là là, oui, allez. Ok, donc là il m'a pris à faire la perche. Perche et pelle. Oh non, c'est un par un. Ok, bon, on va faire un par un.
J'ai beaucoup à faire. Ok, là on va donner les 15, comme ça on va avoir le musée en premier, comme ça. La clé, il pourra pas dire que j'ai triché. On va faire les 15 espèces directes, comme ça, voilà. Comme ça on sera legit sur ça, il pourra pas dire à la fin que j'ai triché. Et après on continue. Ça fait 3, 4ème espèce. Avec les poissons, je fais large les 10. Ah, comme ça, je vais avoir le point de l'aquarium, je pense. Imagine, il a déjà. Je sais pas. Après, bon, s'il propose l'idée de que le premier qui a le musée remporte les 15 points. Enfin, le point, mais qu'il a déjà les 15 espèces. Fallait le dire avant. Hop. Ok, je fais ça, je vends le reste. Ok, après je vais chercher les... Je vends le reste, je vais chercher les poissons dehors, je lui donne. Et puis après on a le musée comme ça. Non, pas encore Kayla. Je peux pas encore donner toutes les espèces en même temps. Ça arrive un peu plus tard. C'est pour ça là, ça m'aurait bien aidé en vrai. Putain, c'est chiant, j'ai la pluie, il peut y avoir Célacante et tout. J'ai l'accès maintenant au ponton, mais le problème, c'est le bar, là. Après, j'ai un point de plus sur les gars. En vrai, faut pas que je me mette la pression sur ça. Si j'ai un doute, je pêche. Bientôt les 50 000, on est bientôt à la moitié. Ah non, si j'ai un pneu Pépito, c'est moins un point. Les espèces pour le musée. Pour les poissons, pour les petits, y a pas de chance que ce soit des barres. Ouais, le problème des petits, c'est que bah j'en ai besoin pour le musée, oui. Mais le truc, c'est que j'ai ce qu'il faut déjà. Les petits, à part pour le musée, ils servent pas à grand chose vu que là, c'est vraiment la course à l'argent, on va dire. Merci Léa pour les 14 mois. Déjà 14 mois avec la meilleure des commus et le meilleur streamer. Je vous aime fort. Restez comme vous êtes, les BG. Merci, merci Léa. Merci à toi. Ouais, je vais faire après. Je vais refaire un tour de l'île pour choper les créatures sous-marines. Et ensuite, je vais pêcher au ponton. À la limite, c'est pas mieux de choper les... Attendez. De faire des appâts. Je me dis, c'est peut-être pas mal de faire des appâts et de pêcher au ponton. Ouais, je sais, Shizen, pour le truc Windows. Parce que j'ai eu le PC hier et celui qui m'a fait le PC m'envoie le code. Bah, il devait l'envoyer dans la journée. Ah bah, je suis pas au bureau. Dès que j'y suis, je te drop ça. Ok, bah, du coup, j'aurai sûrement demain. Donc, demain, il y aura plus le message activé Windows. Thibou, c'est long Thibou. Le temps, c'est de l'argent. Je peux pas me permettre de perdre autant de temps avec toi. À part du PC, grave. Ah bah c'est une dingue. C'est une petite douceur. Là j'ai mis tous les éclairages en blanc hier, j'ai testé. Il est pas mal. Il faut des appâts pour les pontons. Mais
Est-ce qu'il y a quand même moyen d'avoir des poissons rares? Enfin, ils viennent assez récemment, enfin, ils viennent souvent sur le ponton, les poissons rares ou pas? Il y a l'île mystère aussi à faire. Ça, je le ferai un peu plus tard. Je crois que j'ai pas encore de place pour les habitants. Donc, faut déjà que je chope. Je vais améliorer ma maison déjà, parce que c'est la quête principale, on va dire, pour l'instant. Et ça fait 2 points surtout. Et après, je ferai le reste. Oh merde, j'ai oublié, je vais dû m'expliquer. Tibou. Ok. En 40 tapas, 0 poisson rare. Ok, bon bah c'est bien, ça m'a refroidi. Merci pour tout, ok. Ok, peut prendre le don, c'est bon. Arnaud? Oui? Le musée, t'avais donné les 15 espèces ou pas? Non, là, je suis à 9, je crois. Ok, bon, parce que j'ai donné les 15, là. Ok, bon, donc, dans tous les cas, t'en as un point. Ça va. Ok. Bravo, Thomas. Merci, Arnaud. Du coup, il y a un point avec pour ça ou pas? Bah, c'est bon, t'as eu ton point. Non, ouais, t'as eu le point. Je me mute, là, mais t'as eu le point, mon ref. Bon, d'accord. Vas-y. Dommage. Tu les as toutes eues sur ton île, les 15 espèces? Ouais. Ok. Toutes sur mon île. Ok, je vais pas lui donner d'autres indications. On va parler vite fait à la sourette. Voilà, faut que ce soit ma pote. La petite cat. Merde. L'établi est là-bas. Faut que je check aussi les pierres. Faut que je check les pierres pour voir s'il y a un escargot. Ah, c'est un escargot, j'aimerais bien l'attraper. Ça ferait une espèce en plus. Je vais voir Tom Nook. Je sais pas si Thibou m'a envoyé voir Tom Nook pour le musée. Check tes mails Snook. Ok. Ça c'est bon. Bon c'est bien comme ça, on a pas mal de points aussi. Ah bah c'est tout. Est-ce qu'il va me parler du musée? Ah Tommy, bonjour. Okay. Non, faut que je rembourse la maison. Il parle même pas du musée. Je pense qu'il faut attendre. Le musée, c'était pas 2 jours qu'il fallait attendre? Dans mes souvenirs, je crois. J'ai récupéré ça. Il y a un meuble à choper dans les arbres encore. J'en aurais besoin aussi pour le concours de beauté, là. Par contre, j'ai pas eu un seul... Comment? Esturgeon. Là, il m'a donné le plan de la perche. Voilà, et de la pelle. 5 bois tendres, 5 bois durs. Faut que j'essaie de choper une abeille aussi. On va secouer les arbres. S'il y a un nid, j'essaie de choper. Hop, parfait. S'il y a une abeille, je l'attrape. Ok, let's go. Enfin, une guêpe, pardon. Ok, let's go, ça c'est bien. Une espèce de plus pour le musée. Ouais, en vrai, c'est facile, en fait. Tu restes juste devant.
Je vais pouvoir récupérer le bois sur tous les arbres là. Au moins je sais qu'ils sont tranquilles. Putain, là c'est la course aux 5000, mais c'est dur. Bah l'inventaire je peux pas encore, je crois. Je crois qu'il faut déjà la mairie niveau 1. Enfin, il faut déjà la mairie tout court. Ce distributeur ? Non, tu peux avoir la troisième ligne. C'est combien de mites, si vous savez ? Ah mais le problème c'est que là ça peut être sur toute l'île l'objet en fait. Vu que maintenant j'ai la perche. Pas mal de clochettes, 5000. Ah bah j'ai pas du tout le... J'ai pas ce qu'il faut et je pense que dans un premier temps je préférerais garder les points pour faire les îles mystères. Pour avoir des bons habitants. Bon bah dommage. Ok bon les arbres ont l'air d'être safe. J'ai eu peur là. J'ai cru que mon ref il allait frapper le tronc de l'arbre. J'aurais vu flou là. Bon maintenant il faut le bois tendre et le bois dur. Ouais bah justement là avec l'appel je vais pouvoir le prendre le trou à clochette. Je crois qu'il y a un sac de 1000 dedans, c'est toujours ça. Ah oui Kat, je me bouge pour cette île moi. 11, 7, 4, ok il faut encore un bois dur. Yes. C'est un prank ? Mais c'est un prank ! Je demande pas la lune, je demande juste un bois dur ! Il y a un ballon. Non, mademoiselle Soon, parce que le truc, c'est que si tu veux gagner beaucoup avec le 3 clochettes, faut enterrer bah, 10 000 pour avoir du coup 30 000 clochettes de genre 3 jours plus tard. Le problème, c'est que là, on fait une course avec les gars pour vraiment choper le premier prêt le plus rapidement possible. Donc ça se fera aujourd'hui et faut 100 000 clochettes. Donc là, je peux pas me permettre de mettre 10 000 là-dedans. Ou je pourrais le mettre à la fin du live si j'ai ce qu'il faut déjà. Oui, c'est ce que je compte faire pour les guêpes. Je fais comment du coup ? Je me suis dit, pour avoir des cailloux, faut la hache. Mais j'avais plus de hache. Ok. J'ai de quoi faire ma pelle. J'ai de quoi faire ma perche. Vend des fossiles. Bah le truc c'est qu'il coûte pas cher parce que Thibaut il peut pas encore expertiser les fossiles. Je crois hein. Peut-être qu'il expertise. Je sais pas en fait. Je récupère juste ça. Je vais lâcher. Ah si, les pépites de fer, je vais en vendre. J'en ai beaucoup. J'en ai déjà 11 là. Je pense que je vais lâcher les 5 et je vais vendre les 11. Ça fera un peu d'argent en vrai. Les pêches, je vais les vendre aussi. Ça coûtera, je crois, c'est 1000 unités ou 500 vu que c'est pas un fruit de mon île.
Ça, j'ai pas besoin dans l'immédiat. Établi, je garde. Ok. Garde tes ressources, vends pas. Ok, oui. Ok. J'écoute, Niamoumi envoie un message, j'écoute. Merde. Une guêpe. Je vais vendre une guêpe, le nid. Ça. Ok. C'est la guêpe qui coûte aussi cher? Ok, on est bientôt à la moitié du prêt. Bientôt. Plus que 50 000 à faire. Ah oui, purée. T'as raison, Niroumi. Je savais pas qu'il en fallait autant. Les gars, il y a un défi avec les fossiles ou pas? Non, pas avec les fossiles. Ok, merci. De rien. Tu fais quoi avec des fossiles? Ok. Je vais faire le mec un peu perdu. Je sais pas ce qu'il fait avec des fossiles, mais on est bien là. Ça c'est bon. Je vais laisser l'escargot, la guêpe ici. Attendez, mais du coup là, oui, mais les fossiles, Thibaut, du coup, il peut les expertiser? C'est ça le truc. Si les expertise pas, ça coûte rien. Ah, il peut! Oh purée. Alors oui, faut y aller, oui. J'entends un ballon encore, je crois. Ah non, j'avais un doute. J'en ai vu un là, donc il y en a un là, il y en a un tout en haut de l'île. Ok, je fais le fossile, après je vais faire la créature marine encore. Je vais refaire un tour, le ponton je vais pas le faire. Je suis à 4 barres, j'aimerais bien que Théo le fasse avant moi, le 5ème bar. La qualité, la lumière qu'il a dans la fosse, c'est moi? Ah non, c'est pas toi, Doudou. Ça doit sûrement être dû au setup, en vrai. Enfin, parce que, en fait, là, j'ai utilisé un nouveau logiciel de capture aussi. J'ai utilisé un nouveau logiciel de capture pour la Switch, donc peut-être qu'il est mieux que l'ancien. Vu que là, ça s'appelle 4K, je sais plus quoi, avant, c'était Game Capture. Donc, peut-être que c'est de meilleure qualité pour la Switch. Je sais pas, mais tant mieux. Vas-y, je vais commencer à choper le fer du coup pour la boutique. Okay. En vrai, je fais pas la technique avec les trous là, j'ai la flemme. Ah, mais quoique, avec la pelle ça va plus vite maintenant, je peux en faire que deux. Le nom du logiciel c'est. 4K Capture Utility, c'est ça là. C'est de Elgato aussi. Et du coup, je crois que ça capture mon gameplay de la Switch, mais de meilleure qualité qu'avant. C'est un peu mieux qu'avant, je crois. Ah, un petit poisson dans la cascade, ça peut peut-être être une créature que j'ai pas encore. Ça peut pas être un bar, de toute façon il est trop petit. Mmh.
vois, j'ai déjà. Ouah, j'arrête de. J'ai vraiment eu peur. Quand j'ai vu Acepad dire bar et que j'ai vu que c'était trop tard pour moi, j'ai fait. Oh non. Et j'arrête de faire ces dingueries. Promis, je suis pas sponsor, mais si vous voulez de l'aide pour le jeu et que vous avez un téléphone, je vous conseille l'appli Planner for ACNH. Bon, t'inquiète, on sait Nirouni, on sait que t'es pas sponsor. Même si on pourrait le croire, c'est vrai. Mais non. Bah, je pense que j'ai fait le tour des fossiles. On va tout faire expertiser. Gros poisson en haut. Trop tard. Coquillage, je pense, ça rapporte pas assez. Ouais, c'est de l'argent facile, mais merde, je perds du temps là. Hop, je vais voir Thibaut. J'espère qu'il peut expertiser. Oui, je crois que tous les fossiles, il les expertise tous en même temps. Ah non, il fait un par un. Que dit Guanodon ? Okay. Oh, il parle trop, wesh. Comment tu peux autant ouvrir ton bec ? Ah. Ah, c'est bon, il leur fait plaisir d'un coup. Ok, on vend ça, on part en choper les créatures sous-marines. Et puis je pense qu'on va être le premier en termes de clochette. Hein. Là ça me fait 2 points, comme ça là je suis large après avec les 2 points, je m'en fous, je perds un point pour le bar. Mais ça va me permettre de pêcher au moins. Là faut absolument pas que je chope le 5ème bar parce que du coup ça va les débloquer pour la pêche. Ils vont être tranquilles, ils vont pouvoir pêcher en détente et choper les gros poissons qui rapportent beaucoup. Ok, plus que 30 000. Putain, c'est ça qui est horrible, c'est que tu sais pas à combien ils en sont, les gars. Donc là, je sais pas s'il faut que je me dépêche ou si j'ai tout mon temps. J'ai cru avoir entendu un ballon. Ça, je vais faire parce que du coup il faut les ressources. Heureusement qu'on m'a dit qu'il fallait laisser autant de ressources. Hein. Et j'ai eu de la chance aussi dans les ballons, je crois. J'ai eu genre 15 de fer au total ou 10. Donc ça m'a mis plutôt bien en vrai. J'ai tout regroupé. Allez, j'ai 22 de fer donc c'est bien pour la boutique. Ça. Le filet en vrai. Vas-y, je garde dans le doute. La hache, pas besoin. La pelle, pas besoin. En vrai, branche d'arbre, j'ai pas besoin non plus. Établi, du coup, j'ai plus besoin parce que j'ai plus mes ressources. Juste garder canne à pêche et le lance-pierre, s'il y a un ballon pendant que je nage. Merci, oh c'est mignon. Merci, merci pour le prime, merci à toi.
Ok, allez, je ne rentre pas tant que j'ai pas rempli mon inventaire de créatures. Je suis à 22 là, Zalpha. Donc je suis bien. Je pense que je fais un tour de l'île avec les créatures. Je devrais être proche du but en termes de clochettes. Et ensuite, je récupère les coquillages pour finir et ça devrait être bon. Hein. Merci seulement romantique pour le prime. Bienvenue, merci à toi. Bon, par contre, c'est pas avec les créatures là que je vais m'enrichir. Hein. Une seule qui va vite. C'est peut-être parce qu'il pleut qu'il y a des créatures de merde. Les gars. Oui. Je viens de passer la boutique. De quoi? Mais non. Quoi? Let's go. Putain, ça fait une heure que je tryhard ça. T'as mis. Let's go. Comment ça t'as passé? Comment ça t'as passé la boutique? Oh, je me remets, je me remets. Attends. Comment on fait pour avoir la boutique? Moi, ils m'en ont pas parlé. Ah, mais c'est non, dommage. Putain, j'allais le faire! Bordel de merde! Attends, vous avez fait comment pour la boutique, les gars? Let's go! Putain! Je suis à zéro, ok. Attends, non! Va te faire foutre! T'es à combien, Thomas? T'es à un point? Ça fait une heure que moi, je suis à un point, ouais. Ok. Vas-y, mais... je me Attends! Vas-y, dis-moi. Comment vous avez fait pour avoir la boutique, genre? Je me mute! Ah, bah, faut parler un peu avec les gens, quoi. Bah, je te donnerai pas plus de conseils, Thomas. Tu connais bien le jeu, en plus, t'as joué 800 heures, tu m'avais dit l'autre jour. What the fuck? Allez, je me bute. Wesh, attends, le poisson il est gigantesque là. Il est gargantuesque, désolé, le poisson. J'ai de la peine pour toi, j'étais en train de dire au chat. On est d'accord, il est gargantuesque le poisson là. Oh, ouais, je me suis pressé, j'étais pas bien du tout. Mais avec quelle vendeuse? Ah, oh, je suis dégoûté. Vas-y, mais c'est quoi, je vais vendre mes bois. Hein. Je perds pas mon temps avec la boutique. Hein. Vas-y, je me bute. Nyaromi là. Ah, tente pas, ok. Et attendez, du coup, pour la boutique, il a fait comment, Théo? Putain, j'aurais pu l'avoir avant lui, en plus, largement. Je pense que j'avais les ressources, mais je savais pas comment la débloquer. Ben non. Y en a qui disent ça près de la maison, mais non, du coup. Parce qu'il a pas eu la maison. C'est après ta maison, faut acheter des items par la Tom Nook. Ah, je suis dépité en vrai. Ah, je suis dépité. Non, mais les pépites de fer, je pense que je les aurais eu avant lui. Trente boîtes dures. 30 pépites de fer au total, plus faut acheter des items. Aïe, purée, je suis dépité en vrai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave pour la boutique, nous on va speedrun vraiment l'avancée dans le jeu. Ah, c'est le Mélo qui est dehors. Oh putain, si le faux c'est lui, je vais pas parler de la journée. Mais en vrai c'est bien, parce que là du coup Arnaud il a perdu beaucoup de temps sur ça. Sauf qu'il a pas eu le point, et moi du coup ça m'est bien parce que j'ai avancé d'autres quêtes. Sachant que là Théo a eu un point, moi je suis en train de courir pour deux. Donc en vrai c'est ok. Parce que du coup tout ce que je suis en train de faire là, la pêche marine et tout, c'est sûr qu'ils l'ont pas fait. Donc ça reste ok pour nous. C'est Arnaud là qui est le plus dans la merde, nous c'est ça reste bien. Parce que même pour ça du coup Théo, je pense qu'il a pas eu de clochette du tout hein. Faire sa quête, il a pas pêché rien, c'est juste du bois, c'est des trucs comme ça, donc il a pas pu se faire beaucoup d'argent. Donc je pense que je suis le plus avancé là. En termes de thunes. Je me souviens, les trucs vraiment rares, ça fait une bulle droite-gauche, mais plus rapide que ça.
Ok, j'ai encore de la place. Tu as 60... Je sais plus. Dans les 60 000 ? Non, mon ref ! Je t'ai dit non ! Pas de soucis, man. Tu veux qu'il parle à un chien ? Donne ! Donne ! Donne ! Oh purée, il va vite, lui. Non. Turbo. Tu devrais, il te donnera une perle. Ah ouais, c'est vrai, il y a moins qui me donne une perle. C'est vrai ce que tu dis. C'est soit un truc un plan sirène ou une perle. Ah ouais. Oh, crevette menthe. C'est vrai qu'il peut me donner une perle. Bon, c'est pas grave. Le prochain pétoncle, je lui donne. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, pas bête. Perlière. Bon, c'est bien, par contre, on a déjà pas mal de nouvelles créatures qu'on pourra donner aussi au musée pour le point. En fait, non, je pense que je vais rusher déjà les 100 000 parce que là, c'est ce que les gars sont en train de faire et j'ai de l'avance sur les créatures déjà. Donc, je pense que je vais tout vendre avant de les donner en vrai. C'est quoi le mieux, vous pensez? Les donner au musée pour que je sois en avance de ouf sur les gars ou les vendre? En fait, je sais pas si j'ai d'avance sur les clochettes, c'est ça qui me fait peur. Je croyais avoir entendu un ballon. Ah bah oui, je ne suis pas fou. Musée, au moins c'est fait, après tu vendras. Oui, c'est vrai. Ok, musée, vas-y, on va faire musée d'abord. Il n'y a rien ici. Vas-y, je vais nager là. Allez, dis-moi que c'est un pétoncle. Crabe de Denis. Vas-y, je remonte là. En vrai, le musée, je pense que c'est rapide. Là, c'est le rush des 100 000. Je pense que ça va vite. Go donner. Je pourrais les récupérer. J'ai pas eu des... Encore à la limite, si j'ai une espèce ultra rare, je la vends, mais... Enfin, j'envoie au musée, mais... Je pense que là, faut vraiment aller vite. Le truc, c'est que je sais pas, en fait, si je suis dans le rush. Je sais pas si j'ai beaucoup d'avance par rapport au gars. Je laisse ça. Vas-y, dans le doute. Je vends ça, je peux le refaire au pire. Bonsoir, Kalena.
Je refais un tour comme ça et c'est bon. Je vais faire les coquillages avant et je refais un tour et c'est bon. Ah putain! J'arrive pas à savoir pour ce poisson, hein. Il me fout la pression. Non, j'ai pas eu un seul esturgeon sur mon île. Je pense qu'elle est cassée. Enfin, pour les esturgeons, du moins, je pense qu'elle est cassée. Merde, j'ai pas le filet, au pire, ça y en aura d'autres. Oh putain, j'avoue, les clochettes que j'ai perdues dans les rochers. Oh, j'avoue! J'avoue que les 16 000 que j'ai perdu dans les rochers là, bah le compte était bon hein. Mais j'y pense en fait, le fer je peux le vendre maintenant non? Vu que j'aurai pas la boutique. J'aurai pas les points de la boutique en premier. Je sais pas si c'est malin ou pas de faire ça. J'ai vraiment envie d'assurer. Là, c'est pour 2 points, genre. Je m'en fiche, le fer, je peux le refarmer. Ça me fait 2 points. C'est les points des 100 000 et les points du premier à faire le prêt. C'est beaucoup. Wesh, wesh. Nyarumi ! Ah, non, 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 là, c'est trop. Non, là, il est gros, vraiment. Là, vraiment! Pêche! Ok, ok. Ouais, non, là, je l'ai vu. Les gars... Putain. Quoi? Les barres communs, Thomas? C'est ça? J'ai eu le 5ème putain de barque en plus. Let's go! On a non égalité, ça va être... Putain, non, go, non! On peut pêcher tranquillement maintenant. Let's go! Non! On peut pêcher! Pardon, on peut pêcher! On peut pêcher! La pêche est ouverte! Ah non, c'est le pire timing! Ah, c'est le pire timing! Let's go! C'est non, le pire! Putain, ah, non, ça non, met bien! Non, merci non, Thomas! Non, 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 t'es non! Boss. Mais non! Mais il était vraiment gros pour le coup! Et Nyarumi a dit oui! Ouais, faut que je vende mes fers. Là, j'ai pas le choix parce que là, ils vont pêcher. Ils chopent un gros poisson, ils me fument. Je suis obligé là. Putain! J'étais persuadé, là, c'était vraiment les 2 points dans ma poche. En vrai, c'est pas la faute de Nairomi parce que j'aurais dit la même chose. Je l'ai vraiment trouvé gros le poisson. Bon, fallait que quelqu'un le fasse, c'est moi, c'est pas grave. Au moins, c'est fait maintenant, mais moi, hein, c'est, moi aussi, je peux repêcher. C'est l'esturgeon, ça me fait chier, j'aurais bien aimé en avoir un petit quand même. Parce que j'ai pas mal tourné autour des embouchures, pas un seul. Ah, c'est terrible en vrai, c'est terrible de perdre un point sur ça. Aïe, 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 aïe. Vas-y, ça dégage. Et là, c'est est-ce que je pêche ou est-ce que je fais de la... Non, je vais faire un truc sous-marin. Putain, ça me fout la boule au... J'ai la boule au ventre, je stresse! Ha ha ha!
Les poires. Donnez-moi des poires, vite. C'est combien par poire? C'est 300, hein. Vite! C'est combien par poire? Ou 300? Y'a 100, y'a Romy qui dit 300? Il me faut 20 poires. J'en ai 15. 19, 20. Ok. Vite! Ah! J'ai pas envie d'entendre la voix de Théo avec son petit sourire. Les gars! Qui se démute là, qui nous parle avec là. Les 100 000, juste pas les 100 000, s'il te plaît. Ah bah si, les 100 000, je crois. Oh non. Oh non. Et là, du coup, j'ai 100 000 et puis je m'apprête à parler à Tommy Nook. Tommy Nook. Ça, c'est en train de m'abattre, je me mute. Tiens, il est en train de fermer son petit livre. Et puis bah, je crois que ouais, la maison, elle va agrandir. Hein, donc c'est... Mais comment c'est possible, putain de merde? Comment ils peuvent faire tout plus vite que moi, genre? Je comprends pas. Bah en vrai, je pense que t'as perdu du temps. Genre. Ouais, mais je pense que t'as perdu du temps pour la boutique. Tu sais, parce que c'est, du coup, c'est des ressources, genre du bois et tout. Et moi, je savais même pas. Si j'avais pas fait la boutique de merde, j'aurais les 100 000. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai fermé full clochette. J'ai fermé full clochette parce que bah, je savais pas qu'on pouvait faire la boutique tout de suite. Du coup, je me suis. Ah, tu prends deux points là. Tiens, là, je suis en train de choisir la couleur de la toiture. Allez, vas-y, mute-toi, gros. On continue sur notre stream. Okay. C'est bon là. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Screen, non mais quand on a dit screen à l'appui, c'est pour voir afficher 100 000. Mais là, il y avait même pas écrit 100 000. Vous inquiétez pas. Parce que du coup, c'est 99 000 max qui est affiché dans l'inventaire. Nook plus, engrange. Ah oui, c'est ça. Ah, faut que je pense à me connecter à la borne aussi. Hop là. Ah, ça, je suis content. Nook shopping. Non, c'est pas ça. Bon, ça fait vraiment du bien. J'ai bien fait de tout vendre. Attends. Vas-y, je fais le screen aussi. Voilà. Faites des screens aussi au cas où. Mais là, on voit le screen avec 100 000. Attends, pourquoi par contre il a pas pris mon argent? Bah, et l'argent il prend pas? Merci Camille pour les 7 mois. Merci à toi. Ah, au DAC, ok. Faites des screens aussi de mon argent au cas où. Non. Montant du prêt, épargne et tout. Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est fait. Là, il a dit que les travaux commencent. Et oui, c'est demain que je paye.
Bon, du coup, lui, il fallait lui acheter des outils, c'est ça? Enfin, des objets? On est d'accord pour la boutique, c'est ça? Non. Ah. Les gars, j'ai une question. Quoi? Pour le point du truc de la maison de la plus avancée. En fait, on l'a mis dans les défis classiques. Mais du coup, c'est un concours de rapidité au final. C'est celui qui a le plus de pièces dans sa maison, en gros. Oui, oui. Ou est-ce qu'on fait, juste celui qui a la meilleure maison? Non, c'est pas compo... Enfin, c'est pas... Non, la plus avancée, la meilleure maison, c'est le truc avec les points, avec les meubles. Ouais, et tout, de la JD. Ah mais c'est pour ça que je me dis ça fait doublon un peu, on devrait... Enfin, je sais non pas. Parce que la meilleure c'est pas forcément la plus grande. La plus grande en gros c'est juste qu'à rembourser le plus de prêts le plus vite possible et tout. Ouais. Ok. Ok donc on laisse ça, on laisse la JD. Ok. Vas-y, ouais. Bah, c'est bon c'est tout. Merci. Faut que je fasse BLK ça. Faut que je fasse attention à ça vraiment. Chope une botte. Moins hein. Oh Tommy, c'est toujours un plaisir. Tu profites de la vie insulaire. On t'a parlé du panneau d'affichage à côté du bureau des résidents. Comme tu peux t'en douter, c'est aussi là que l'information hein. Ah c'est à lui qu'il fallait parler. Ah oui, c'est pneus, pardon. Mais c'est pas lui. C'est lui pour la boutique. Les gars, il y a bien un défi, le premier à avoir tous les fruits, hein, on est d'accord? Non. Je me rappelle plus. Non, non, il est plus. On l'a enlevé. Parce qu'au final, je crois que c'est impossible. Tous les fruits. Pourquoi? T'es obligé de voyager ou de voir d'autres gens. Parce qu'en gros, toi, t'as un fruit sur ton île et les îles mystères, si t'as une île avec un autre fruit, c'est toujours le même genre. Du coup, tu peux avoir que deux fruits par toi-même. Deux okay. Fruits différents. Ok, ok, ça marche. Et les gars, j'ai une question. Quoi? Comment vous avez fait pour débloquer la boutique? Enfin, tu sais, pour débloquer la quête de la boutique? Faut parler un peu autour de toi, Thomas, après on va pas t'aider, t'as vu, t'es déjà bien avancé tout quoi. C'est tout, tu veux qu'on te dise quoi de plus? Ok, ok, ok. J'ai pas. Mais c'est con! Non, Tom, il me dit rien. Faut que j'achète à lui, hein! C'est rigolo de dire que t'as la maison alors que non. Oui, il a le droit. Non, non, j'ai la maison, The Gecko. Enfin, j'étais le premier à avoir les 100 000 et à lancer la construction. Là, en gros, c'est en travaux. J'ai encore l'argent parce que du coup, c'est demain que je peux payer, mais les travaux sont lancés. Là, je parle à Tom Nook, il a dit que demain, du coup, j'allais avoir ma nouvelle maison et c'est fait. Messieurs, je vous informe que je vais aller pour la première fois sur une île et que je pense que je vais avoir Rosie du premier coup. Voilà. Mais ça marche. Je crois que t'as pas encore de. Enfin, bref. Bonne chance. De quoi? Bonne chance pour Rosie. Sachez que j'ai fait déjà 3 îles mystères. Quoi? J'ai pas quoi encore de quoi? Que j'ai pas encore de quoi? Mais comment t'as fait, Théo? T'as combien de miles? Bah. Je sais pas, gros. Après, moi, perso, je vais en faire 3 d'un coup aussi, là. Bon, allez, je vous laisse. Moi aussi, pareil. Non, il en a fait qu'une seule. En vrai, pour faire toutes ces quêtes et tout, c'est pas possible qu'il en ait fait 3. Mais attends, mais j'ai loupé un truc, là. Ah, le premier gratuit. On est d'accord, pour Rosie, faut juste la croiser, hein. Faut pas qu'elle soit sur notre île. Ouais, juste la croiser, comme tous les autres. Les autres, si tu les croises, c'est moi. Genre même, je rajoute une règle, je trouve ça plus cool.
Si imaginons Arnaud, tu vas aller sur une île pour un objectif en particulier et que t'as peur de croiser un personnage, genre tu veux pas prendre le risque de le voir, s'il ne rentre pas dans ton écran, c'est ok. Ok, ok, ça genre, marche. Si tu peux l'esquiver si tu sens qu'il est genre. Voilà. Mais bon, si tu, du coup, comment tu fais pour savoir que c'est lui? Ouais, c'est pour ça. Bah, en gros, faut juste avoir de la chance. Si jamais tu vas sur un côté de l'île et qu'il est pas là, tu l'as pas croisé en clair, quoi. Ok, 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 ça marche. Mais voilà. Si on le voit à l'écran, c'est mort. Ouais. Ok. Ok, j'ai les quêtes. J'ai les quêtes pour les mice, ça c'est bien. Putain, mais j'ai l'impression. Je suis en avance sans être en avance sur eux, c'est bizarre. Je viens de croiser une habitante, elle est dans aucune liste, mais elle est trop mignonne, voilà, bisous. Vas-y, je vais lui acheter lui, hein. C'est qui? Mais comment ils ont fait pour voir la boutique? Y'a personne qui peut me donner une information exacte. C'est... Je comprends pas comment c'est possible. Comment les gars ils ont pu faire ça? Je vais acheter le béaba du bricolage. Je viens de croiser une abysante, apparemment tout le monde me dit qu'elle est méga rare, genre. C'est qui? Marina. Elle s'appelle quoi? Marina? C'est un chat? Non, c'est un petit poulpe rose. Ah, ah oui, je vois qui c'est. Mais les poulpes, c'est pas rare déjà de base? Je sais pas du tout. Ok, bah ouais. Garde ton argent. Non mais c'est bon, faut juste... Oui, non, je sais, je vais pas dépenser tout mon argent. Il me faut 98 000 pour demain. Là, c'est bon, je suis à 96 000, ça monte. Bon, bah pour la boutique, je sais pas. Je comprends pas. Lis, Thomas. Je crois que tu as loupé le coche hier et quand... Je crois que tu as loupé le coche hier. Et quand Tom a dit que tu pouvais avoir une vraie maison, tu ne lui as pas reparlé pour la construire. Comment ça hier? J'ai pas joué hier. Si, parce que là je lui ai parlé, j'ai choisi le toit de ma maison pour demain. Donc le premier prêt a été remboursé. Si, je lui ai parlé. J'ai fait le prêt avec les miles, et là je lui ai parlé, il m'a demandé pour la couleur du toit, donc c'est que c'est bon. Oui, non, le prêt à 5000 miles c'est fait, vu que là c'est le prêt pour la couleur et tout. Attends. Je suis en retard d'un jour là? Attends, oh non, oh non. Oh non, oh non. Dites pas ça. Mais pourquoi il me parle de 98 000 clochettes alors? Oh non, non, les gars. T'as eu quoi? Tu t'es fait piquer? Non, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Quoi? J'ai une question. Là, vous avez une tente ou une maison? J'ai une maison? Moi, j'ai une maison aussi, je crois. Oh! T'as remboursé le premier prêt de 50 000? Non, il troll. C'est impossible, t'as pas fait ça. Thomas, explique. Ça fait quoi, Thomas? Et je crois qu'il a remboursé le premier prêt en clochette et non en maïs nook. T'es un ouf, non? Il troll, c'est impossible. Oh non, en fait, je crois... le premier live, là, vous fallait les 5000 points. Ouais.
J'ai parlé à Tom Nook une première fois, mais apparemment, on m'a dit qu'il fallait... Je sais pas, en fait, j'ai parlé une première fois, et après, il m'a parlé direct de 98 000 clochettes. Du coup, j'ai dit, bah, ok. Et là, en fait, aujourd'hui, je lui ai parlé, donc il parlait de 98 000 clochettes. Sauf que, en fait, moi, là, aujourd'hui, j'ai encore l'attente. Je crois que, je sais pas pourquoi, ça a pas amélioré la maison au premier live. Oh, let's go! Donc, ça veut dire que t'auras pas les points à la fin? Bah, là, je suis baisé. En gros, pour la deuxième amélioration, je suis baisé. Par contre, j'ai, bah, du coup, les 100 000 clochettes. 100 000 clochettes, c'est bon. Mais j'ai pas deux points. Il a qu'un seul point avec ses 100 000 clochettes! Je me mute. Et c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que je peux avoir la boutique et tout. Oh, let's go! Oh là là! Dieu soit loué! J'ai envie de tout détruire. J'ai un jour de retard, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde pour tout. J'ai un jour de retard sur les gars. Je vais faire les autres quêtes, hein. C'est pas grave, les trucs d'avance et tout, c'est pas grave. Hein, mais je comprends pas. Dès le premier jour, je lui ai parlé, il m'a parlé des 98 000 clochettes, on est d'accord ? C'est ça que je comprends pas, c'est que le premier jour, j'ai eu les 5000 et tout, j'ai payé. Vu que j'ai plus mes miles, donc j'ai payé les miles. Et quand je lui ai parlé qu'il m'a parlé de 98 000 clochettes, j'ai fait ok, c'est le prochain prêt qu'il me demande. Ah, fallait le dire à propos de la maison. Thomas, tu mens pas quand même. Thomas ? Non, je te le jure, j'ai encore l'attente aujourd'hui. Ça a pas amélioré au premier live. Je sais pas pourquoi. Je suis dégoûté. Il troll ou pas ? J'arrive pas à savoir. Non, je te jure. Arnaud, non, y a pas de triche sur cette route. Vraiment, je troll pas. Là, j'avais les 100 000 clochettes. Je suis allé pour faire le truc. Mais j'ai encore l'attente. Donc, c'est juste qu'en fait, ça a pris le. Ça fait le prêt des miles là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça a pas compté. Alors que j'ai été débité des 5000 miles quand même, au dimanche. Je sais pas pourquoi ça n'a pas amélioré. Je pense en fait j'ai été débité des miles, mais il fallait lui reparler pour lancer l'amélioration. Et du coup, j'ai pas dû lui reparler pour ça. Ah, ben rip. Ok. Oh putain, j'ai perdu le point du bar en plus. Là, c'est... Le point du bar, c'est le point que j'aurais dû garder pour ça. Attends, mais du coup, est-ce que j'ai quand même les tickets, là? J'ai même pas les tickets, en fait. C'est pour ça, eux, ils peuvent... Ah ouais, mais je suis baisé, ils peuvent avoir des habitants, faire des visites d'île et tout, je ne peux rien faire. Ouais, même là, j'ai pas les tickets, parce que je suis en retard d'un jour. Oh, pourquoi ça a pas amélioré, là? Je suis baisé jusqu'à la moelle. Vraiment, là, je ne peux rien faire. J'ai un jour de retard, c'est trop... Parce que du coup, eux, ils peuvent faire déjà des visites d'île, avoir des habitants, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit, mais c'est bizarre qu'ils... Enfin... C'est parce que du coup, ils ont des terrains pour des habitants. Là, j'ai trop de retard, genre. En vrai, je peux pas demander à TT, genre, c'est moi, j'ai choc, mais... Je me suis fait bait parce que j'ai vu écrit 98 000, du coup, je me suis dit, c'est le prochain prêt, je vais pas reparler. Putain. Oh là là. Là, attends, y'a quoi comme quête? Oh là là, je peux même pas faire des îles avec les habitants et tout. Je peux rien faire, je suis bloqué, genre. Je peux juste farmer des poissons et des clochettes. Attends, on peut faire quoi, là? Bah, Rosie, je peux pas. Maison la plus avancée, je suis baisé. Concours de sap, bon, bah, ouais. AJD, bah, je suis dans la merde aussi, parce que ma maison sera un niveau de moins que les autres. Je peux choper les poissons insectes par rapport aux gars, mais bon. Ça, ce sera la chance. Installer la mairie, je suis baisé. L'île aux tarentules, ça existe plus, apparemment. Tarentule en faisant un 3-6, il faut que je fasse ça. Event de pêche, 500 000 clochettes, fait un aniv. Les gars, pas quoi ça. C'est juste pour vous dire que j'ai 100 000 clochettes. Voilà, oui, du coup, oui. Je vais me foutre en l'air. Moi, j'ai envie de me foutre en l'air. Là, je perds un point bêtement et...
Et là, let's go. Mais là, à cause de mon erreur, je suis bon, baisé. C'est bon, t'as remboursé ton truc là. J'ai remboursé mon prêt. Ça, mais, ça y est, tu as fini de rembourser le prêt pour ta maison. C'est pas une bonne. Les gars. Je suis à même pas 5000 clochettes. Non, je suis à même pas 6000 clochettes. C'est 98 000, c'est ça le prêt. Ouais, 98. Les gars. Ouais, je suis à 4300 clochettes de l'avoir. Attends, mais je suis démute. Les gars. Ouais. Oui. Ah. Là, j'ai une requête. Vas-y, dis-moi. Parce que là, mon erreur de l'autre jour, là, de dimanche, ça me baise complètement. Ah, bah non. Oui, t'as perdu pour la maison, ça c'est sûr. Bah non, mais pour la maison. Mais le truc, c'est que là, ça fait que j'ai un jour de retard. Donc là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, je comprenais pas quand vous disiez ah, tiens, je fais des visites d'île, je vois des habitants. J'étais en mode, bah, c'est pas possible. Donc là, en gros, ça veut dire vous pouvez déjà avoir des terrains, des habitants et tout. Ouais, je crois. En fait, le truc, c'est que je suis baisé, c'est que vu que, tu sais, je pensais avoir remboursé la tente, tu sais, parce que j'étais débité des 5000 miles, mais y a pas eu l'amélioration qui s'est lancée. Ça fait que là, en gros, bah, je... Tu sais, j'ai aucune avancée sur mon île. Du coup, la boutique, c'est pour ça que je pouvais pas la faire, puisque je suis en retard d'un jour. En fait, je suis en retard d'un jour. Bien, ça, donc ça j'ai pas bien, la boutique, bien. Je peux pas faire ça les... Ça m'est bien parce que la requête, elle va être refusée. Let's go. En gros, attendez. Ma requête, c'était pour savoir. J'ai envie de te dire, t'avais qu'à mieux faire, quoi. Ouais, mais l'erreur, j'ai regardé pour tous les points et tout, et je suis baisé sur tout, en fait. Je peux rien faire, là. Ma requête, c'est est-ce que je peux t'aider à demain. Je ne fais pas les pierres pour les clochettes, tout. C'est juste pour avoir... faire la boutique et pouvoir faire la visite d'île. C'est tout. Bah, moi, j'aurais dit non. Ouais, moi, je partais de cette optique. Je partais de cette optique aussi. Mais... Compatis dans quel sens, Théo? Bah, moi, j'aurais dit non, perso. En vrai, mais là, oui. Le premier jour, genre. Non, mais oui, non, mais ok, c'est un misclick. Mais le truc, c'est que là, ça me baisse. Enfin, c'est foutu. Je suis foutu, genre. Là, je peux rien faire. Je sais pas, parce que je suis un peu. Tout à l'heure, on a dit qu'on venait pas sur la décision quand t'avais eu le musée. Bon, au final, t'as prouvé que tu avais quand même un premier tout. Du coup, je suis en mode, ben. Mais de l'autre côté, si ça te fait perdre automatiquement, c'est un peu naze. Bah, là, c'est il que. Il a planté des fruits, il aura tout avant, donc plus de clochettes. Hein? J'ai pas planté des fruits. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit si je t'étais, c'est en mode je fais pas la pierre du jour, c'est avec les clochettes et tout. C'est vraiment juste pour être comme vous, avoir la maison et pouvoir faire les îles et tout. Et sinon... Là, j'ai regardé sur les récompenses, enfin les défis. Maison la plus avancée, bon bah je suis baisé. Du coup, tu sais. Attends, c'était quoi? Genre. Installer la mairie, je suis baisé parce que j'ai un jour de retard quoi qu'il arrive. Il y avait un autre truc où j'étais baisé. Enfin, ça me baisse sur plein de points. Et là, genre, par exemple, là, tu vois, j'ai fait le tour, bah, je peux plus rien faire. Je peux plus faire deal. Je peux plus. Bah, je peux pas faire la boutique. Enfin, j'ai moi, je propose que tu time travel, mais par contre, c'est moins un point. Parce que c'est dans les règles du jeu de base. Oui, c'est vrai. T'en penses quoi, Arnaud? Putain, ça fait chier pour le poisson. Si vous voulez. C'est legit. En vrai, c'était dans les règles de base, pas de time travel. Ah oui, c'est sûr, pas de time non, travel. Bah, oui, non, mais oui, ça me fait chier aussi. Non, mais ils ont raison pour le point, c'est normal. Tu trouves que c'est legit, non? Ouais, non, moi, je trouve que c'est une bonne idée, moi, en vrai. Ah, pourquoi j'ai perdu ce putain de point à cause du bar? Oh, ça m'a déjà... Non, j'ai ruiné attends, le truc coup, à cause d'un clic, genre. En termes de points, on est à... J'ai 1, du coup. J'ai 1 aussi, Arnaud, t'es à... 0. Moins 1. 0? Moins 1, Arnaud, non? Ah, bah peut-être moins 1, du coup, je me suis fait piquer. Avec les piques, ouais, les abeilles, ouais, moins 1, ok. Donc... Là, si tu perds un point, Thomas, pour Time Travel, t'es à 0. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. J'ai une perle, c'est rare de fou, non? Ouais, je pense, ouais. Oui, ça coûte 10 000. Dommage. Let's go! Ah bah, ça aurait été mieux un peu plus tôt. Ah bah après, on peut encore avoir les 500 000 pour la maison, etc, etc. Ah oui, non, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah du coup, Thomas, moi je t'autorise à Time Travel si tu acceptes de perdre un point. Ok, bon, c'est et tu refarmes pas tout ce que ça te donne. Non, mais ton oui, île, oui. Ok, ok. Je sais pas si je l'ai fait. T'es ok avec ça? Je sais pas si je l'ai fait. Tu sais pas si tu le fais? Bah, en fait, faut peser le pour et le contre. Genre, ça, si bah, je fais en ça, vrai, ça si c'est... En gros, là, de ce que t'as dit, tu peux plus rien faire. Donc, c'est l'accès. Si tu perds un point, ça te permet d'en gagner d'autres derrière. Par contre, si tu fais rien, en gros, là, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça sert à rien. Bah, là, en gros, bah, j'ai si, ma tente. Tu peux farmer les clochettes et tout, genre. Ouais, je peux juste farmer les clochettes, mais c'est en mode. C'est comme si j'étais day one. Ouais. Bah, moi j'ai fait ma proposition, c'est à toi de voir maintenant. Ouais, je réfléchis. Là, en termes de score, il y a moins 1 pour Arnaud, 1 pour toi, 1 pour moi. Ah oui, c'est vrai que du coup, il aura le musée plus tôt que nous. Ouais, mais ça change rien. Ça change rien pour la run. Non, ça change rien.
Ok, ok, ça change. Parce que j'ai le musée, mais après, de toute façon, les espèces, tu sais, tu pourras aller donner demain, ça change rien. Oui, oui, le but là, c'est d'avoir juste le plus d'espèces à la toute fin du truc. Ouais. Ok. Pourquoi, attendez, les gens disent que j'ai deux dans mon chat. Putain, je sais pas ce que je fais. Pourquoi j'aurais deux points? J'en sais rien. Non, je crois qu'ils sont tous. Ah non, pour les 100 000, du coup, j'ai quand même les points, le chat. Oui, il avait eu les 100 000, ouais. Thomas. J'ai quand même eu les 100 000 avant, mais du coup, pour le prix, ça. Eu les 100 000, mais pas la maison. Ouais. Bah de toute façon c'est simple, il suffit de reprendre le... Attends, nous on a tous commencé à 0 points. Vous avez d'office perdu un point chacun avec votre habitant qui pue la merde. On a eu 4, ouais. Théo, il a gagné un habitant, il a eu les habitants beaux gosses, genre il a été élu, donc il a gagné pour ça, à 0. Et oui, mais attends, avant ça j'avais déjà perdu un point parce que je m'étais fait piquer. Ouais, donc toi t'es à moins 1 là. Moi j'étais à moins 1. En gros on a tous perdu un point pour piqûre et moi pour les 5 bars. Oui, et là Théo il a eu la boutique et la maison, donc Théo t'es à 1 point, t'es pas à 2 points. Ouais, c'est ça. Et toi Thomas, t'as eu le point pour le ballon et pour les 100 000 clochettes. J'ai eu ballon, musée, 100 000. 100 000 clochettes. Ouais. Moi je me suis fait piquer. J'ai perdu un point pour 4. C'est mon seul palmarès. J'ai perdu un point pour 4, un point pour les bars. Ouais, ouais c'est ça. Donc un point pour toi Thomas, un point pour moi, Arnaud moins 1. Et là en fonction de ce que tu fais. Ouais c'est ça. Et en fonction de ce que tu fais Thomas, tu restes à 1 ou tu passes à 0. Ouais. Putain. Bon, je me mute. Ouais. Faut que j'aille tryhard là, j'ai plein de choses à faire en plus. J'ai envie de canner. Là, mon erreur, c'est trop grave. L'erreur, elle me dégoûte. Elle me dégoûte au plus haut point, genre, en vrai. En vrai, je pense que... Ça aurait pu être gagné facile, je pense. J'avais de l'avant, j'étais bien sur mon aventure. Et là, ça m'a ruiné, genre. Putain, ça m'a ruiné. Genre, une erreur de merde. D'où faut lui reparler deux fois, ce bouffon. Parce que je lui ai reparlé, il me parlait 98 000. Je me suis dit, bah c'est bon, c'est fait. Vu que c'est éclatant, je me suis dit, tu sais, il n'y a pas de. Vu que j'ai été débité des 5 000 miles, je me suis dit, c'est ok. Après, c'est ma faute, hein. Les gars, ils ont pas fait l'erreur, donc c'est moi, hein. Mais putain, c'est frustrant. Parce que là, sur ça, ça me ruine totalement. Je perds un point pour. Je perds un point pour la maison alors que j'étais premier. Parce que du coup, je peux pas le faire. Et je perds un point pour le time travel parce que, bah bon, c'est ma faute aussi. Mais c'est une erreur qui me coûte 2 points. Plus elle m'a coûté des points pour la boutique, vu que bah j'avais pas le truc. Pff, c'est chiant. Parce que la boutique, j'avais pas mal de ressources aussi en stock. Je pense. Les gars, à chaque crédit remboursé, il y a un point à se faire ou pas? Non, c'était juste sur le deuxième prêt. Ok. Et après, là où tu peux gagner des points, c'est si tu rembourses tes crédits le plus vite possible, bah t'auras la pièce la plus grande et tu gagneras un point à la fin de la semaine. Mais c'est un jour ou un agrandissement ou pas du tout? Ouais. Je sais pas si. Bah dans ce cas-là, on l'aura tous en même temps dans tous les cas. Ça dépend, parce que ça se trouve, moi je vais pas farmer les clochettes. Toujours la faute des autres? Non, okay. Non, j'ai dit que c'est de ma faute là. Ça dépend ce que chacun fait. Sachant que bah par exemple, t'as des trucs tout cons. Si tu veux avoir 500 000. Aurait dû faire un point par étape de crédit en vrai. Je sais pas. Parce que c'est regarde, plus tu peux très bien. On va tous avoir en même temps la non. Maison. Non, bah non, parce que par étape, bah si tu suis la logique, le premier qui fait le premier prêt va faire les autres. À moins qu'il y ait un retournement de situation, mais. Non, même pas forcément. Si tu veux avoir les 500 000 clochettes, le point pour les 500 000 clochettes, ça veut dire qu'il faut pas que tu rembourses tes prêts. Je pense pas que tu puisses réunir 500 000 en une journée. Non, je pense pas. Donc tu peux faire le parti pris de récolter tes clochettes et de farmer les poissons pour le musée, tu vois. Ok, bon, j'aurais rajouté moi un point par prêt, en vrai. Non, bah fallait être là quand on a fait les points, là c'est trop tard, on ne bouge pas. Vous m'avez pas attendu. Je viens de décider de t'aider du coup. Ah, let's go. Bon choix, Thomas. Du coup, je passe à 0. Ça me fait chier. L'erreur, elle m'a coûté 2 points. J'ai envie de canner vraiment. Bon choix, Thomas. Bon, du coup, 0. Je suis dépité, ça m'énerve. Ouais, ouais. C'est ok, bah oui et non, je suis quand même en retard là. Hein. Puis j'avais un jour de pluie, j'aurais pu choper un sélacante, là ça m'énerve. Elle me coûte trop cher l'erreur. C'est une erreur à 200 balles, hein. Parce que c'est quand même 50 subs à offrir. C'est une erreur à 200 euros, ouais, ça me fait chier. Si, j'ai parlé à Rogue au début du live. Mais là, vu que je t'étais,
Merci, merci Pavel. Vu que j'ai TT, je pars pas aux habitants non plus. Parce que sinon, j'ai un jour d'avance par rapport aux autres sur la relation avec les habitants. Donc là, pas de pierre, je fais pas mes arbres, je fais pas les fossiles. Juste, je joue. Enfin, je fais la suite de quête, quoi. Bonjour, 19h, ce beau jeudi 24 mars, et c'est Tom Nook qui vous parle. Est-ce que je peux faire ça et je reviens à hier? Enfin, aujourd'hui. Et comme ça, j'ai la maison, donc j'ai la suite de quête qui est faite, non? T'as déjà perdu le point par sec, tu l'as pas eu. En vrai, c'est pas legit, surtout que c'est Mastu qui l'a eu. Ça fait déjà un différentiel de 2 avec le moins 1. Ça fait 3 points de rattraper de Mastu. Merci, Samy. Merci, merci. Bah, en vrai, si, franchement... Je m'attendais à qu'il refuse pour le TT, donc... Non, mais après, c'est ma faute, hein, c'est mon erreur. C'est pas un bug du jeu, c'est pas un truc... donc non, c'est totalement legit. J'ai... Bah, c'est ça, la sanction est sévère, hein, mais c'est... Enfin, la sanction est sévère dans le sens où j'ai perdu beaucoup de points, mais c'est de ma faute. J'ai fait l'erreur, ils ont pas fait l'erreur. Ils m'ont laissé TT, mais c'est normal de me faire payer quand même un point pour le TT. Je comprends. Donc non, non, c'est... c'est chiant, mais c'est normal. Merci, merci Mel pour les 7 mois. Bon allez, on se remet dedans. Ouais, j'avoue que là, par contre, ça m'a cassé en deux. Allez, je me remets dedans. Full tryhard. Je vais pouvoir faire les visites aux habitants. Ouais. Allez. On a même là, hein, même tout le temps, on m'a fait perdre du temps. Là, pendant 15-20 minutes, j'ai rien fait. Les amis. Oh non. Oui, Arnaud. Je me suis refait piquer. Oh non. Oh non, non. J'en peux plus de votre jeu de merde. Putain, mais attends, mais je suis dépité en plus. Tout à l'heure, j'étais en train de flex en mode « Ah tiens, là, je suis en train de choisir la couleur de mon toit. » Oui, du coup, c'est ce que je me suis dit. Tu mentais de fou. Ben non, c'est parce que vu que j'étais encore en tente et que je lui ai parlé, en fait, il me demandait la couleur. J'étais en train de flex pour de la merde. Alors, en vrai, j'ai envie de chialer parce que ça m'a fait perdre 2 points cette histoire. Et en vrai, c'est le pire. En vrai, par contre, bon, le mini-jeu est cool, les gens kiffent et tout, mais quand on joue, c'est tellement frustrant quand tu perds un point. Ah, je stresse hein, pour la course au sens. Mais là, mec, je me sens trop mal. Genre, ouais, vraiment, non, ouais. Quand il y a eu le. Quand le chat, il me disait, tu sais, bah, genre, faut payer au DAC. Parce que tu sais, du coup, j'ai parlé pour les 98 000. C'est là où il me demande, tu sais, la couleur du toit. Et j'étais en mode, tu sais, je pouvais pas le payer. Et je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible? Et c'est après, ils m'ont dit « Ah, mais t'as encore l'attente et tout, c'est pas normal. » Et je suis « Oh non. » Ouais, c'est grosse erreur dans un speedrun. Ah bah là, j'avoue. Oui, ça fait moins de... Nook Shopping au bureau, Nook Stop et au bureau des résidents. Va au 500k avant de perdre 100k. Là, je sais pas, attendez. Attends, par contre, je crois qu'il faut que je fasse la boutique avant. C'est vrai que je pense que pour ce qui est près de maison, je suis dans la merde. Ouais, je pense que c'est bien d'aller chercher le point des 500 000. Mais c'est long, hein. Mais je pense pour l'amélioration... La mère sur la maison et tout, la taille et tout, je suis... Ok. Non, en fait, soit je rembourse. Enfin, faut que je vois avec les cas si j'ai le droit de rembourser le prêt pour eux, bah, être au même niveau qu'eux. Si je peux rembourser le prêt maintenant, je le fais et je suis au même niveau qu'eux. Ou soit je rush les 500 000. Mais le truc, c'est que améliorer la maison, je pense que ça joue aussi dans la note de la JC, de la JD. C'est 500 000, vous pensez? Rush? Ok. Ok, je vais rush. Donc là, il me dit qu'il y a mon ticket qui m'attend. Est-ce que
Est-ce que j'ai un habitant mystère sur l'île là? Oh, il y a une tarentule. Non, j'ai pas mon filet. J'espère qu'elle sera encore là. Ne t'en va pas la tarentule, s'il te plaît. Putain, pourquoi j'ai pas mon filet sur moi? Je vais tenter le 3-6. Là, si je loupe le 3-6, par contre, je canne. Ok. Non. Pourquoi j'avais pas le filet? Non. Putain, c'est rare les tarentules sur notre île en plus. J'ai envie de canner, y'a rien qui va! Ah non, non, c'est vraiment, c'est horrible, c'est un désastre, c'est un désastre. Non, non, elle est pas sur la place. Oh, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Je suis juste parti chercher le filet, genre. Ok, 30 de chaque et 30 pépites de fer. Okay. Donc là, je vais aller sur les îles mystères pour récupérer tout ça en même temps. On va vendre ça. Ok, bon, c'est pas grave. On se reprend, je vends tout. Je vais mettre mon argent dans la banque. Non, quoi que. J'ai pas 100 000, donc ça me fait pas de sac. Ouais, les îles mystères, du coup, là, je peux direct avoir un nouvel habitant et le faire venir? Lâcher. Okay. Je suis trop en retard. Je suis trop en retard. Ça m'a ruiné le truc là. Je suis dépité en vrai. Après, c'est pas grave. Tant que je vois sur l'île, c'est bon. Allez. Ok, je rappelle pour l'île mystère les personnages à croiser. Voilà, ça c'est un point. Les personnages à ne pas croiser. Ça c'est moins 1. Ça c'est les goats, c'est 3 points. Et ça c'est moins 3 points. Donc tout peut jouer en vrai, tout peut jouer encore. Il faut avoir de la chance. Il faut aussi que je regarde les anniversaires.
c'est parti. C'est l'heure en vrai pour les tarentules. Faut que je fasse tous les arbres aussi pour les ressources pour la boutique. Là, par contre, j'ai mis en stand-by l'argent. Je joue au moins 3. Non, 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 non. Joachim, il est pas en moins 3, hein. Joachim, il est en plus 1. Il est dans les personnages à croiser. Moins 3, c'est Marcel. Anniversaire. Anniversaire Mars, Animal Crossing. Liste complète des anniversaires. Janvier, février, mars. Les gars, vous êtes pas chaud qu'on désigne l'objet en particulier à obtenir? Ouais, on peut. Parce que en vrai, il reste pas beaucoup de trucs qu'on peut farmer volontairement. Ouais, en termes de rapidité, ouais. Après, c'est un peu improbable, la pelle. Hein, genre, hyper dur de l'avoir, je pense. Bah, mais ouais, bah, c'est nous et notre chance, quoi, mais je suis chaud qu'on en décide de un là, histoire de pas traîner pour rien. Genre là, on ouvre... qu'est-ce qu'on fait? Au pire, on met trois objets. Là, on met, on tape objet Animal Crossing. On scroll, il doit y avoir une liste quelque part, on scroll et le premier objet sur lequel on tombe c'est Bah fais-le et prends et tu seras la voix de tous. Ok, alors tous les objets. Ok, je suis celui-là. Attends, je vais mettre je regarde si je fais. Ouais, je mets tout à l'image là. Ok. Ah merde, c'est sous forme de page. Prends, mets ta souris au pif, sois impartial et tu nous dis ce sur quoi c'est tombé. Et s'il y en a un de nous qui l'a déjà, bah tant mieux pour lui, et sinon bah let's go quoi. Ouais mais tu sais là je suis sur merde attends. Vas-y, bah vas-y là j'ai genre une liste de 30 objets sous les yeux. Ouais les gars, vas-y, vraiment j'en peux plus, les gars, j'en peux plus, j'ai pas de chance depuis le début. Mec, tu parles à un gars qui s'est fait piquer 16 fois là. Mais je crois que l'objectif est frustrant, enfin de base. Bah dites-moi stop quand vous voulez, j'arrête ma souris. Stop. Je vois pas ma souris. Ouais mais non c'est nul, on peut l'acheter au Nook Shopping. Attends, vas-y recommence. Vas-y, allez, ah mais non, attends, putain, mais je vois, je suis en train de lire, là, je vois, il y a des trucs genre que tu peux avoir qu'à la boutique Nook. Je vous en supplie, dites rien, le chat, dites rien, s'il vous plaît, ça fera la surprise. Ah. S'il vous plaît, dites rien, pour le beau jeu, pour la surprise. Sinon, ça ne sert à rien de le dire, je vous en supplie, s'il vous plaît, dites rien. Vraiment. Si vous faites ça, vous êtes des merdes, et vous gâchez l'aventure. Genre là, ça va faire, ils vont être sûrs d'eux, ils vont être fiers, et quand je vais faire l'anniversaire et tout, je vais même les inviter, genre envoyer une lettre. Je vais leur envoyer une lettre pour fêter l'anniversaire et tout. Faire part villageois. Et ça va être banger. S'il vous plaît, dites rien, je vous en supplie. Mais après, les villageois, ils offrent pas souvent des objets, quoi. Bah sinon, je fais dans la boutique Nook classique. On l'aura demain, dans la logique, ou après-demain, je sais pas trop, en fait, je sais pas. Ouais, mais dans la boutique Nook, ça veut dire qu'on peut l'acheter, c'est pété, non? Ça vaut mieux un truc aléatoire. Ouais, c'est mieux un truc random, un objet quand même assez stylé, mais random. Mais en fait j'ai l'impression que les objets ils, tu peux pas. Genre par exemple la guitare électrique tu l'as que dans le plan de bricolage je crois. Le climatiseur tu l'as que dans la boutique Nook en objet phare. Ouais. Tu sais y'a pas. Je sais pas en fait, je dis peut-être de la merde mais je suis sur un site là. New Horizon Inventory. Non. Oula quoi ouais. Non. J'ai loupé un 3-6 tarantule. Oh tu t'es fait piquer. Ah non piquer du oui coup. Oui. Oh là là. Oh non. Putain je suis deg, moi il y avait tu vois y a rien qui va, il y avait une tarentule sur mon île, je la vois. Sauf que j'avais pas de filet sur moi. Je vais juste à côté de ma maison, il était posé par terre. Hein. Je suis pas rentré dans un bâtiment. Je vais prendre le filet, je reviens, il était plus là. Bah je sais pas les gars, pour l'objet c'est trop compliqué je crois. Au pire je me dis Au pire, de toute façon l'objet c'est enfin c'est dur de trouver un objet compliqué. On le dégage et on fait à chaque étape du remboursement du truc. On fait pas hein. Mais en vrai, ça fait peu d'objectifs là, hein, qui sont farmables. Parce que tout le reste, c'est que du aléatoire, du coup. C'est un peu dommage, mais franchement, je manquerais des trucs, des thunes, les gars. Quelqu'un dans le chat qui propose une pépite d'or, le premier à avoir une pépite d'or, genre. J'ai déjà eu, moi. Ah. Et ben. Si vous voulez, on fait, hein, y'a aucun souci, hein. Une perle aussi, on peut faire, si vous voulez. Un outil en or, il propose.
C'est quoi, bah, outil en or, j'avais réfléchi, tu sais, quand on a fait les trucs, mais c'est trop long, on aurait pas pu. Ouais. Sinon, ouais. Si, à la hache, faut la casser 30 fois, je crois. Mais c'est. Il faut déjà la hache, tu sais, genre nous, on a encore la selle de base. Bah, je sais pas. Je propose qu'on y réfléchisse hors live parce que ouais. Là, c'est. Oui, bon. Oui, oui. Vas-y. Bah, on s'y penche pour le live d'après-demain. Ouais. Ok. Vas-y. Non, attendez, mais c'est un les gars, banger. Je crois que le stream bug de fou et qu'il y a du délai et tout. Genre, c'est si un banger pareil, ce qui s'est passé là. Oui, oui, je prends les cocos, je vais prendre, vous inquiétez pas. Non, moi. Mec, moi, tous les gens ils réagissent à la tarentule là. J'ai 2 minutes de délai, moi. Est-ce que c'est pas. Ça se trouve. Mais non, parce que normalement à 3 c'est ok. Ouais, non, moi j'ai pas de problème. Je viens de faire tomber des clochettes dans l'eau. Ok, j'ai 1 minute de délai, moi vraiment là. Et c'est pas, y'a pas Raska qui pompe la co aussi? Non, je pense pas. La co de notre côté? Non, j'ai pas eu de problème. Ok, mais moi ça bug, tout le monde me dit bug. Let's go. Si tu mets un message dans le groupe l'autre pour dire couper tout ce que vous faites, genre, au cas où, même si je sais pas. Parce que ça peut que être ça de toute façon. Ouais, je vais tester, je vais dire arrêtez tous les téléchargements SVP. Ouais, bizarre. Bon, je me remets. Boss, lit, oui, oui. Oui, bah, oui, non, je sais. Mais désolé, je lisais. Enfin, je parlais avec les gars. Lis le chat pour la NIP. Même si t'étais, ça changera pas. Comment ça, je pourrais pas faire la NIF? Elle sera pas sur ton île le 25, c'est pas possible. Faut installer les parcelles et fabriquer les objets demandés. Non, mais je vais pas tricher, RTT en arrière. Bah, on verra. Enfin, je vais essayer de négocier avec les gars. Genre, c'est improbable déjà d'avoir un habitant qui fête son anniversaire le jour même. Ah, ouais, non, mais je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire, en fait je me suis fait encore baiser parce que j'ai tété. Oh putain. Bah oui, parce que oui, du coup c'est. Son anniversaire c'est le 25, mais du coup moi je suis le 24 sur ma Switch. Bah oui, c'est ça que je viens de voir, oui. Je viens de comprendre. Ah mais du coup je peux téter en arrière. Oui, si je reviens au jour J, c'est ok. Ah oui mais c'est bon, ok. Ouais, oui, je viens de comprendre, bah oui, parce que du coup je suis le 24 et son anniversaire c'est le 25, mais ça me baise. Ok, oui, non, je reviens juste en arrière et c'est bon, ok. Oui, je viens de comprendre. Mais on est d'accord que... On aurait... Je veux juste savoir pour... On aurait été le 23. Enfin là, on aurait été... Il n'y aurait pas eu de tété, on aurait été le 23. Le 25, elle aurait été sur mon île, j'aurais pu fêter la Nive. Sans triche, enfin normal quoi. Juste pour savoir. Oui, oui. Ok, bon d'accord alors. Bon, on revient aujourd'hui alors. Je fais ça après, on vient aujourd'hui et plus de problème. C'est la première à s'installer là, Aidu. Comment ça, faire les parcelles? Comment je fais la parcelle? Ouais, mais les parcelles, c'est facile à faire ou pas? Voilà. Ah, mais oui, mais de toute façon, oui, c'est bon. Oh, bah, let's go. Non! Psst! Ah, je l'ai vu venir quand elle s'est baladée à côté. Putain! Faudrait que je farme le bois, mais putain, j'ai plein de trucs à faire. Non, je rentre sur mon île.
Je rentre sur mon île, je vais faire impérativement la parcelle là. Merci Okolo. Merci pour le prime. Merci à toi. Attends, je reviens aujourd'hui après. Après live. Je fais ça après live. Là, je finis normal. Oui, j'ai proposé, j'ai revérifié Zayn. Pas d'erreur cette fois. Je lui ai proposé deux fois. J'ai reparlé de tout, elle a dit j'ai hâte de venir actuel, là c'est bon. Moi je pense que je vais être de la team rembourser mon prêt, ouais. Je vais pas attendre pour les 500 000 en vrai. Ça va me ralentir de ouf. Ouais, oui, live demain et vendredi normalement. Bah je vais le dire aux gars, et s'ils peuvent pas, bah je vais dire, bah les gars, enfin... Déjà le fait d'avoir un habitant, de toute façon ils vont comprendre, le fait d'avoir réussi à choper un habitant qui fête son anniversaire dans la semaine, c'est insane. Si après, bon, on peut passer mon vendredi, bon bah j'y suis pour rien. Enfin, stream jeudi, vendredi. Ouais, je sais les filles, mais là c'est le début du jeu, du coup c'est un peu plus chaud. Tout ça, j'ai oublié en vrai. Je vais garder quand même les deux là, pour le musée. Oh les cocos, je m'en fiche, hein, il me faut juste de l'argent. Alors attendez, rembourser le prêt. Oh putain, il y a trop de trucs à faire. Bon, là, je vais disposer du coup eux. Parce que le point du musée, quand même, il y a moyen de le faire. Je crois que je l'ai pas, je vais en profiter. Merci Oli Mavis pour les 18 mois. Merci à toi. Oui, je vais me refaire. Faut que je fasse la boutique, je pense. Parce que là, il me propose pas de faire les parcelles encore. Putain, il reste 40 minutes. C'est short. Je vais faire le bois. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, donc je... la boutique. Ouais, j'ai vendu les pépites de fer du coup pour le rush. Après, c'est pas grave, ça se récupère. Ok. Ok, c'était pour m'assurer qu'il n'y ait pas de gap ici. J'ai pas ma hache. Oh putain, il manque tout le temps des trucs. Je l'ai fait celui-là. Vas-y, je vais faire tous les arbres de cette partie. Flemme de tomber sur une guêpe. Faudrait que j'arrive à faire un 3-6 aussi.
T'inquiète pas, je vais pas les oublier les parcelles. Là, il me faut 32 bois durs. Oh putain, je stresse. Et je stresse de ouf. Après, c'est pas sûr qu'on coupe à 20h pile. Hein. Ça dépend des gars s'ils veulent continuer. Moi, ça me va si on continue. Hein. Je vais passer de pépites. Je vais refaire des îles mystères après. Est-ce que si je fais une autre île mystère, je peux... et qu'il y a un autre habitant, je peux aussi lui demander de venir? Ce que je crois au début, c'est 3 habitants, c'est ça? Ça, t'as dit que tu fermais pas le bois de ton île vu que t'as... Non, mais le... les pierres, c'est pour les clochettes. Le bois, j'ai fait 8 arbres de 8 arbres tout à l'heure, c'est bon. Genre, c'est pas comme si j'avais fait tous les arbres de l'île et là, je vais faire des ressources en plus. Genre, en soi, j'ai des arbres toute l'île, je peux aller là-bas avec la perche maintenant, c'est... ça, c'est pas grave. Pour le bois. Par contre, je vais pas farmer les pierres avec les fers et les gold. Enfin, les pierres de cette zone. En soi, les pierres des autres zones de l'île, je peux aller les faire, vu que je les ai pas fait hier. Genre là, les fossiles, pareil, je fais pas. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de... oui, attendez. Du coup, de demander, sans avoir les parcelles, de faire venir 3 habitants. Les 3 vont venir après, dès que j'ai les parcelles ou pas? Ou faut que je fasse parcelle, habitant, parler, parcelle, etc. Je peux demander aux 3 de venir. Et du coup, ils arrivent en même temps, genre? Ouais, j'ai vu le cadeau. Ouais, bah je vais prendre 2 autres tickets du coup. Putain, y'a trop de trucs à faire en 33 minutes. Non, Lotus, vu que j'ai tété, là je peux pas faire les fossiles là. Je les ai fait hier déjà. Enfin, je les ai fait tout à l'heure. Et donc là, si je lance la construction de la boutique, après je peux faire les parcelles tout de suite là? Genre là, je peux les faire aujourd'hui? Ah non, ça je peux pas, elle a dit. Je peux pas. Je vais vendre ça. Ça, le bandeau, je garde pour le concours de style. Ok. Attendez. Animal Crossing. Animal Crossing, placer les premières parcelles. Ah, je sais plus où c'est.
Elle dit normalement c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Je vais voir avec eux. Je vais leur dire le truc. En vrai, je vais leur en parler à la fin du live. Je vais pas faire la surprise parce que ça, si on joue pas demain, c'est mort. Ça retarde le truc. Je vais en parler. Mais je pense que ça compte de toute façon parce que sinon on est foutu. Enfin, les anniversaires, on aurait pu les fêter que genre le samedi. Compliqué. Vu qu'on on a pas pu streamer hier avant-hier déjà. Donc on a pris du retard. Je lâche ça. Oui, il me faut encore du bois. Faut que je farme les pierres qui sont à l'autre bout de l'île aussi que j'ai pas fait. Celle-là, j'ai le droit. Merde, hein. Non, j'ai envie par flemme de taper l'arbre sans checker avec le filet, mais c'est trop risqué. Filet, je vais équiper. Voilà. J'ai vu le ballon. Nice. Bois dur, on prend. Il y en a beaucoup des guêpes, hein. Ça c'est bon. Hop. Hop. Je prends. Ça, c'est relou aussi. Les gars, juste pour vous prévenir, je pense que je vais croiser Rosie dans 2 minutes là. Voilà. Ah bah moi je viens de. Ouais. Tu viens de voir? Je viens de croiser quelqu'un, j'ai eu un faux espoir. Attends, comment ça? Ah, vous faites des chasses aux habitants là? Ah bah oui. Ouais. Comment ça, tu vas voir Rosie, Arnaud? Ah bah là je vais le voir, quoi. Je le sens. Je le sens, regarde, allez voir quelqu'un. Non, Tic et Mike Snook et c'est bon, ça part, c'est Rosie. Okay. Allez, je me mute, je vais voir Rosie, les vas-y, gars. Vas-y, vas-y. Vas-y, ça marche à plus. Tu nous démutes quand t'as quelqu'un qui te fait un -1 ou -3, genre quand t'as Emilien? Ah t'inquiète, j'aurais pas ça. Vous avez la liste envoyée à côté au cas où. Oui oui t'inquiète. Okay. J'ai bientôt la boutique. Ok parfait. Bois dur, celui-là je peux le faire aussi. Olèche. Let's go. Je fais un mélange de... Ouais j'ai let's go, j'ai 10 lèches. On a pas mal, on a bois dur et bois tendre, ce qui nous manque. Ça met bien. Donc il faut 32 chats, il faut aussi le faire, surtout les pépites. What the fuck, j'ai un panda ninja. Ah. Bah, what? Mais attends, c'est qui lui? Comment il est stylé? Ouais, c'est pas de te rassurer, hein, il rapporte 0 points. Ah mais non, il rapporte 0 points par contre, je vous garantis c'est 0 points. Mais comment il est trop stylé. Je change mes bonhommes favoris, je le mets dedans. Ça me fait 1 point, let's go. Je suis pas si dur, hein.
soupière électrique. Je récupérerai plus tard. Et bois dur, let's go. Alors, je suis à combien là? 24, 30. Ok, il manque 6 de bois dur. Bon, ça c'est chiant de switch tout le temps, mais je peux pas prendre le risque de me faire piquer. Hein. Piqûre d'abeille, c'est mort. Ok. Je vais tout stocker là. Il reste 25 minutes. Je vais stocker mon bois. Je vais stocker le bois. Ça aussi. Le fer. Fer argile aussi. Je pense que je vais faire le pré quand même aujourd'hui. Pour être au même niveau que les gars pour les prochains lives. Je pense que c'est le mieux. Guêpe. Ça je vends. Ça je garde pour une canne à pêche et un filet. Pelle, j'en ai deux. Je vais en lâcher une. Je vais juste recraft une hache. Il faut les cailloux. Vas-y, on rembourse le prêt et après on décale sur les îles. J'achète des points. J'ai pas mal de maïs nook, je crois que je peux acheter 3 tickets. Je vais en prendre que 2 pour l'instant. Je vais en prendre que 2, on va croiser les doigts. Hein. Déjà là on a eu énormément de chance. Genre vraiment, premier habitant et le fait de s'en arriver le 25 genre. Ils ont eu beaucoup de points, les gars. Ok, on prend 2 tickets. Ça, c'est bon. Je vais vendre mes merdes à l'hôte. Ah, faut que je ramène mes clochettes pour les mettre dans le DAC. Pour la maison. Si, je suis à 0 Blue Soul. Ok. Allez, 500 000, je vais pas le faire, ce sera trop long. Comme ça, je suis au même niveau que les gars et j'irai plus vite. Ok. Je vais reparler maintenant, on va voir. Ouais, c'est là.
Ouais, c'est le truc allons-y où j'ai pas fait. Ouais, j'ai vu qu'il m'avait proposé... Ouais, c'est là, ok, je me souviens. Mais proposé 98 000 et il y avait allons-y ou plus tard, et j'avais mis plus tard, mais j'ai pas lu en fait. J'ai pas lu et je pensais que ça serait pour payer tout de suite, genre. Ouais, c'est bon, je viens de voir. Je viens de comprendre mon erreur. Bon, j'ai défilé, j'ai tout. Bah, go. Go sur l'île mystère. On va croiser... Là, c'est trop bien, parce que le seul habitant qui devait venir sur mon île, c'est celui qui fête son anniversaire, au final. Donc, c'est fait. Et là, maintenant, il faut qu'on qu'on croise juste un habitant qui fait gagner des points. Hein. Rosie, en vrai, ça te donne la victoire, en vrai. En vrai, de vrai, c'est la victoire. Si tu croises Rosie, c'est 5 points, t'es à l'abri. T'es en détente. Je remonte vite fait la liste des habitants. Habitants à croiser qui font gagner un point. Habitants ne pas croiser qui font perdre un point. Les habitants qui font gagner 3 points qui en font perdre 3. Et puis voilà. C'est tout. Là, Rosie, elle tombera à pic là. Ok. Il est pas dans la liste lui hein. Non, j'en serais souvenu. Ok, bah le ref on va se tailler. Je vais juste faire les rochers quand même. Fifi. Je fuis. Bon, l'argile en vrai ça sert à rien. Hein. Je crois qu'il manque un petit peu de boiture, non? Mais pourquoi les cocos? Ouais mais là vu que c'est sur une semaine en vrai les cocos c'est pas un investissement qui paye bien quoi. Je crois que c'est 1000 clochettes la coco. J'ai trop de trucs à faire. Pareil, le grillon, là, si j'arrive à l'attraper, c'est sûr que les gars l'auront pas. Ça peut me faire une espèce en plus. Changement rapide là d'inventaire. J'ai bien fait de faire de la place devant celui-là. Là j'aurais pas fait de place, la guêpe elle aurait pop derrière. J'aurais eu l'air fin.
Allergique pour les parcelles, vas-y, je prends. Merci Akira pour les 5 mois. Merci à toi Akira. Donc on est d'accord juste... Je veux une confirmation. On est d'accord qu'aujourd'hui... aujourd'hui, je ne peux pas faire de parcelle. Quoi qu'il arrive. Non. Je te vois venir, vas-y rapproche-toi encore. Non il s'éloigne, ok. Je vais prendre ça aussi. Le prêt de 5000 est remboursé, ouais, Nakano. Ok, vas-y, je me taille. Je vais faire une autre île mystère. Non, je vais déjà faire la boutique. Ah, je vais la poser là. Il reste 13 minutes. Putain, c'est stressant, hein. C'est vraiment stressant. Merde, non, je suis obligé de refaire une autre île en fait. Ah non, j'ai pas le fer. Oh putain, le fer ça va être une angoisse là. Oh, j'ai pas le fer du tout. Ah non, y'en a là. Oh, j'ai eu peur. Vas-y, je vais vendre et j'y retourne. Faut que je bute une hache aussi. Foulou, trop de trucs à faire. C'est terrible. Faut que je fasse la boutique avant la fin du live. Obligatoirement. Ah oui, je m'amuse, Wishin. Ah bah bien sûr. Ah non, c'est un plaisir de redécouvrir le jeu et tout, d'y rejoindre. Mais j'avoue que ça stresse, ça fout la pression. Je peux lui donner au fur et à mesure déjà ? D'autres pierres en haut, j'avais pas trouvé d'autres pierres en bas dans mon île. Bah go, île mystère hein. Je vais acheter 2 tickets encore. Je vais acheter 2 tickets et je vais faire toutes les pierres des îles. Ah, je rachète un ticket, j'achète pelle H.
Voilà. Après, là, je vais avoir ce qu'il faut, je pense. Ok. Hop, je vais lui acheter. Pour la parcelle, il faut aussi du bois ou pas? Oh, je verrai la prochaine fois. Messieurs. Ouais. Il a fait un 3-6 tarantule, j'en suis sûr. Les 3-6 tarantules est passé. Vous pouvez regarder la rediff, on va clipper, vous pouvez regarder pour valider. Bah de toute façon ça on peut le faire autant qu'on veut, non? Non, c'est le premier. C'est le premier à le faire. Je vais me foutre en l'air moi. Vous pouvez regarder, on peut clipper, le 3-6 c'est beau mais pour valider. Non, on te croit, on te croit. Moi je te crois aussi. Ah fuck, tu sais qu'en plus j'en cherchais depuis tout à l'heure, j'ai enlevé toutes les herbes, tous les trucs sur mon machin. Sur quoi? Bah sur mon île, ouais, j'ai essayé de tout enlever et tout. Et mais mec, je moi j'en ai vu une seule depuis le début, je l'ai foiré. Bah la première a fui et celle-là c'est passé. Mais par contre c'est... Oh là c'est chaud hein. C'est mec, j'avais le cœur qui battait. Mais c'est soit tu gagnes le point, soit tu perds moins 1. Bah, oui, c'est ça. Ça fait 2 d'écart, c'est ça trop. Fait chier, quoi. Ah oui, si tu loupes, c'est mort hein. Merci Kiki. Qu'est-ce qu'on peut faire en vrai là? Bah tous les points. Merci Kiki pour les services. Non mais parce que là on se focus sur les défis de rapidité. Mais en vrai il y a des défis que tu peux pas... Genre il y a plein de défis qu'on va pas pouvoir faire tous les défis en gros. Donc tu peux essayer d'aller chercher un max de points sur les défis classiques entre guillemets. Ouais histoire de... Ouais voilà, valider tous les trucs classiques. Eh ben du genre... Ouais mais c'est les mêmes points qu'on aura tous. Essayer d'avoir la mairie... Bah essayer d'avoir la mairie au plus vite, ça tu peux le faire. Tu peux essayer de choper encore un truc de rapidité. Tu peux essayer de choper un surnom ou un slogan pour ton habitant. Enfin pour un des habitants. Tu mais peux... ça c'est full RNG en vrai non? Parce que moi quand je leur parle ils me disent pareil les trois quarts du temps. Ouais mais bah, c'est le temps gros, que tu les connais c'est que... Ouais. Moi par exemple là les gars j'ai time travel mais tu sais j'ai pas parlé aux habitants aujourd'hui parce que sinon ça faisait 2 jours d'avance t'es... Ouais. Du coup j'ai pas parlé. Ça te fait... Et... Ça te fait... Un point ouais du coup on est ouais. Ex-aequo là Thomas. Ex-aequo à un point. Oh. Bon je me remute. Ah bah Alinka oui, il faut qu'il trouve Rosie, elle a pas le choix. Si le petit père Arnaud il trouve pas Rosie, c'est fini. Ça me fait chier parce que putain, tous les défis, les défis de chou, on arrive à les faire. Sans mes erreurs à la con, j'aurais genre 3 points d'avance sur Théo, je crois. 2 points. Mais bon, il a fallu que je fasse mes vieilles erreurs, là. Ça m'a foutu dans la merde. Hein. Ça m'a foutu dans la grosse merde. Faudrait que Théo il perde un point, genre avec une erreur bête, ça pourrait me mettre bien. Non, pourquoi je l'ai pas mis lui dans la liste? Ah ouais, non, il est pas le koala, putain! Bah oui, j'ai déjà eu lui en plus. Bon, c'était pas mon gars de ouf, mais j'aurais pu le mettre. Je prends
Donc là, faut que je fasse toutes les pierres, faut que je trouve un max de pépites. Bon, mon ref, j'ai pas le temps de parler avec toi. Ah si, je suis obligé de le faire venir ou pas? Wesh. J'ai mis ce clic, je viens d'acheter 5000 clochettes d'arbres. Mais wesh. Oh, comment t'as mis ce clic? Bah j'ai mis ce. Mais t'as acheté où les 5000 clochettes d'arbres? Enfin genre t'achètes où 5000 clochettes? Bah dans la boutique. Pourquoi, genre là, le mec il te vend des lots d'arbres. Et j'ai mis ce clic et j'ai pris un lot. Wow, c'est pas grand chose 5000 clochettes. Ouais c'est rien. C'est vraiment une bonne soirée pour moi en tout cas. Oh bah t'inquiète hein, y'a moi aussi hein. Ah bah je suis mille fois pire. Quoi? Vous avez tous fini les objectifs que j'étais en train de faire une minute avant moi et après je me suis fait piquer 16 fois. Y'a mon live qui a planté, j'ai perdu la moitié de mes viewers et je me suis fait piquer par tous les insectes de la terre, j'ai loupé la tarentule, enfin vraiment y'a rien qui va. Effectivement c'est pas... Ouais. C'est pas terrible quoi. En plus, c'est... Ouais non, vraiment pas. En plus c'est dans ces moments là tu t'es genre j'ai même pas quoi dire. Y'a une tarentule mais je vais pas prendre le risque en vrai là. Je vais pas faire le coup. En vrai, tu devrais pour les clochettes, parce que moi je suis à 200 000 là. Quoi? Je me mute. Quel rat, putain. Vas-y, je sais pas s'il bluffe ou pas, parce que je sais qu'il charbonne depuis tout à l'heure, y'a moyen qu'il les ait. Non, il dit ça pour me foutre la pression que je le fasse. On va pas l'écouter. Putain, j'ai de la chance, par contre, l'île est tellement généreuse en fer. What the fuck, j'ai eu les 32 fer en une île? Ah bah non, j'ai pas l'échelle. Bah let's go, c'est bon, je peux faire la boutique. On se fait une dernière île mystère. Je paye la boutique, je fais une dernière île mystère et puis c'est bon. Ouais, il y a une tarentule, mais j'ai fait le 3-6 déjà, j'ai pas envie de... C'est 8000 clochettes, mais j'ai pas envie de louper, de perdre un point. C'est trop un point, genre. Théo, il fait pas de risque, il prend pas de risque, on est ex-aequo. Je peux pas me permettre de perdre un point sur ça. Messieurs, nous coupons la console dans 2 minutes. Bien vu Arnaud. 2 minutes. Moi j'ai speedrun exprès pour là. On croise les doigts. Vite, 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 vite. Wesh, c'est top chef ou quoi là? Non, l'émissaire, c'est mort. Faut que je passe la boutique. Vite! Non, non, pas imagine, non, c'est parfait, c'est parfait.
Ok, je parle à Amélie. C'est quoi la parcelle? Messieurs, nous devons couper! Ah donc faut vraiment attendre la boutique. Oui, Arnaud! Bon, ça sera demain du coup. On arrête tout là? On met tout? On met tout? On stoppe tout? C'est la règle, hein? Oui, c'est la règle, c'est vrai. On stoppe tout? Non, y a, c'est écrit quelque part, noir sur blanc, les lives commencent à 17h, s'arrêtent à 20h. Bah oui, on avait dit 17h-20h, ouais. En vrai, ouais. C'est vraiment ce qu'on avait dit. Ok, ok, vous marquez un point. Allez, je sauvegarde. Je sauvegarde, on fait une pause, sauvegarder et arrêter. Comment on sauvegarde déjà? T'appuies sur le moins sur ton... Ah oui, c'est bon, ouais. Merci. Oh, j'ai mal au dos. Donc les gars, là, je retétais à hier, enfin aujourd'hui. Comme ça, c'est bon. Mais attends, mais si tu re-time travel... Ça va pas te niquer? Reste, tu t'en fous, reste sur ton truc, ça change rien. Du coup, vu qu'on prendra la prochaine fois et qu'à chaque journée, ça reset l'île. Ouais, mais j'ai un jour d'avance par rapport à la JD, trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah. Faut qu'il revienne en arrière. Okay, là, ça n'écrit, hein, ouais. Genre... Non, de toute façon, les builds, ils sont lancés, mais ça change rien. Vu que demain, quoi qu'il arrive, vous aurez aussi le musée et le truc. Mm-hmm. Non, ça change rien. Ouais, je pense que ça change rien. Si tu re-t'étais en arrière, t'auras pas la boutique. Bah, ce sera comme là, elle sera juste en construction et du coup demain, je l'aurai. Bon, bah, on coupe nos lives du coup. Enfin, non, vous allez peut-être continuer. Moi, je vais chez Thomas pour un jeu d'horreur. Ok, vas-y, bah, je vais rediriger tout le monde chez Thomas. Je fais une petite outro. Vas-y. Ok, je relance juste ça. Quoi? Putain, j'espère que ça va pas... Putain, ça m'énerve en vrai. Oui, il faut juste que je me recoupe pour prendre en compte le TT. Ça me saoule, je suis dégoûté de mon erreur à la con quand même, hein. J'ai fait une erreur bête et là ça me foudroie. Ça m'a mis dans la merde. J'ai perdu beaucoup trop de points par rapport à Théo sur une erreur bête. Ah, je suis deg, mais bon, c'est le jeu. J'ai manque de vigilance, je voulais aller trop vite. Mais ça coûte cher. Ok, bah c'est comme tout à l'heure, j'avais le frérot, il pleuvait. J'ai juste lancé histoire d'être sur l'île. Pour que ça ait bien pris en compte, et puis c'est bon. Ouais, là, j'ai le choc de ouf, Pavelo. J'ai vraiment le choc de ouf. Ok. Ok, c'est bon, nickel. La boutique en construction. Ok, non, c'est bon. C'est bon, je suis revenu à aujourd'hui, c'est tout bon. La boutique en construction, donc demain, elle est faite. Je pense, hein. J'espère que demain, elle sera faite et que ce sera pas en mode construction encore.